moi je l'ai vu avant que tu le corriges, donc... Oui, bah, il fallait, fallait réfléchir un peu, utiliser le contexte. Oui, bah écoute, le problème c'est que quand tu rajoutes une lettre, ça fait aussi un mot. Non. Oh. Ah, pourtant, je t'assure que si je te parle de sujets compliqués, tu diras que t'as rien pité. C'est vulgaire, et moi je mettrais deux T. Ah, c'est vrai, alors que du coup, c'est pas le vraiment... mot de passe, le mot de passe il est pas vulgaire, hein. Puis c'est un vrai mot aussi. C'est un mot vulgaire beaucoup plus courant, quoi. Ah bah dans ce cas tout va bien. Alors, je t'assure que franchement c'est quand même assez courant comme mot. Ouais c'est, oui, mais un gamin de 5 ans il va pas te dire qu'il a rien bité. S'il a des parents qui lui apprennent les bons mots de vocabulaire. Rien bité, oh. Bon, en vrai, tu sais, le propos des vieux réacs, c'est généralement de dire que les gamins deviennent de plus en plus vulgaires, de plus en plus jeunes. Oui. À 7 ans, ça balance déjà des gros mots. Alors que c'est une minorité très vocale. Exactement, ça veut faire du sexe. Bon, c'est qui manque là maintenant encore? Oui, les gens qui manquent sont priés de ne plus manquer. Mais on attend de... J'ai pas appuyé sur le bouton start là. Oui, bah écoute, hein, moi on est en attente de joueurs. Ah, bah voilà. Est-ce que le stream est-il déjà lancé? Oui. Oui. Nice. Oui. Stellaris de retour stream, encore. Là. Comment ça encore? Est-ce que tu entends qu'on joue un peu trop souvent à Stellaris? J'ai pas dit ça, moi. Très bien. Pour l'instant, ah oui, mais Misan qui répond casuellement en faisant sa cuisine de dos. Incroyable. Super. J'ai du linge à étendre, vous m'excuserez bien sûr. Oh, putain. Mais comment ça se fait déjà que l'étendoir à linge y soit dans cette pièce, hein? Et tu veux qu'il soit où, Bastel? Bah ailleurs. Oui, bah dis-moi. Un grand salon, non? Oui, mais le salon actuellement il contient un sapin de Noël, Bastel. Oh, un sapin entier. Ah bah c'est pas un petit sapin. Ça c'est bien. Ah, vous êtes allé chercher un gros ensuite. C'est oui parce que le petit en fait bah c'est celui qui trône juste là. C'est celui-là qu'on avait pris à la base et en fait bah il était trop petit. Et mon coloc est ensuite allé chez son paternel qui lui a refilé un qui est un peu plus grand. Oh là là. Je n'en puis plus. Bon d'accord. Admettons. Ah, vous pouvez lancer, hein, y a pas de problème. C'est pas comme s'il y avait des choses incroyables qui se passaient à la Maigrevis Aquatic Park. Hein. J'ai bientôt fini en plus. Bah, on est en guerre. Hein. Quoi? Ah bon? Moi non. Eh oui. Attends. Ah non. Ah, c'est que moi qui suis en guerre. C'est vrai, on n'est plus alliés. Eh oui, zut, on n'est pas potes. Vous êtes pas mes potes. T'es en guerre contre qui là? Les GAFA, non? Oui, je détruis les GAFA casuellement. N'oublie pas d'assimiler les panuriens un moment quand même. Hein. Pourquoi faire? Si ils sont petits et agaçants, c'est. Une fois qu'on t'aura chassé les GAFA, ce seront les seuls IA de la partie. Et c'est quand même. Ça fait tâche quoi. C'est vraiment un petit caca boudin. Pourquoi vous êtes contre l'acte des anges gardiens? Vous êtes pro-militariste? Je sais pas c'est quoi le problème. Poids diplomatique grâce à la puissance de la flotte moins 20%. Oh, c'est vrai qu'en soi j'en ai un peu rien à cirer. C'est une loi qui fortifie les milices de défense. En vrai, de toute façon, le truc c'est que même si je devenais pour, ça changerait strictement rien. Donc. Et bah. Y'a les panuries qui sont pour, alors c'est louche. Oui, non, mais bon, les panuries ils sont. Bref. Putain, mais Prini qui déboîte zut en poids diplomatique, ça me tue ça. Ah bon? Ah bah oui. Quoi? Ah, si. T'es sûr d'avoir comment le bon truc? Bah, tu veux dire les bons chiffres? T'étais à 230 000 sur la résolution précédente ou alors c'est misant? Je sais plus. Parce que c'est misant plutôt. Bah c'est misant alors qu'il doit avoir un max de poids diplomatique mais il en a perdu plein après. Trop bizarre. Eh oui, je perds mon poids, Bastel. Des faveurs pour des trucs extrêmement importants. Genre moi j'utilise des faveurs, mais où pour qui? Ah oui, d'accord, je vois la vérité éclate. Mmh. Si tu les utilises sur ce genre de truc, moi ça me va. Hein. Ah là là. Allez où, madame? Ah, il faut attaquer avec la police ici.
une provolution, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah putain, c'est des arthropoïdes qui sont sur la planète, moins de chômeurs. Bon, bon, on va les faire provoluer, ils ont l'air fous. Sacrée planète que t'as là, Bastel. Tu la veux? Non. Hein? Moi, je suis content d'avoir des chômeurs. Oh non, ils veulent voler. Moi non plus. Chips. Non, je sais ce que tu es, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, les planètes, elles sont belles, non? Il y a du rouge partout. Ce monde a des pop inemployés. Waouh, c'est magnifique. Wow. On se croit en France. Oh. En plus, je peux plus rien faire. Enfin, misant. Bon, ouais, ça va être le moment de coloniser quelqu'un d'autre. Oh. Putain, moi, en vrai, je sais pas quoi faire. Hein. Je pense que c'est à ce moment-là que Zut déclenche une radia et me wipe. Parce qu'en vrai. RT. Bah, objectivement, enfin, je veux dire, une fois que les GAFA seront soulevés, qui va l'empêcher de dominer la galaxie? C'est juste qu'avant, on avait une opportunité de le faire pacifiquement. Ah, cela fait déjà plusieurs jours que les Eruxos sont parmi nous, et tout va pour le mieux sur la planète, moins de chômeurs. Comme quoi? Moins de chômeurs. Plusieurs jours? C'est quoi ton nom de planète, là? Hein, bah, je viens de le dire, non. Un nom controversé par... Oh, mais après ça. Oh, des problèmes ont surgi sur moins de chômeurs. Putain, toujours des problèmes. En raison de la population. J'allais dire, ouais, le comme par hasard. Et oui. Ils doivent comprendre. Oh. Comment ça, ils doivent comprendre? Attends, ils doivent comprendre que le spectre de la guerre plane sur nous tous. Ouais, non, mais bon. Très bien. Ok. Non, pas la guerre. Research complete. Non, mais voilà, on peut. On respecte tout ça. Putain, pourquoi j'ai plein de planètes qui peuvent pas... Pourquoi j'ai plein de bases sans réseau commercial? Vous pouvez manger tes rounds commerciales. Ce que j'essaie de faire, ouais, j'aimerais bien. Allez, chips gris, dis-moi toutes ces merdes. Chips upgraded, chips upgraded. Peur de l'étranger. Oh, oh bah tiens. Quand même, Bastel. Encore une fois. Les citoyens Eruxo s'inquiètent lorsque leurs enseignants crapaud frugal évoquent la possibilité de rencontres avec des entités encore inconnues issues des confins de l'espace. Ils ont raison d'avoir peur de l'inconnu. Les Eruxo adoptent l'éthique xénophobe. Oh bah tiens. Bastel rend les gens xénophobes. Bastel rend les gens. Il a pas rendu l'argent, il a rendu les gens. Exactement. N'oubliez pas ça lorsqu'il s'agira de reparler de mon bilan politique. Bon. Le bilan politique de Bastel, il n'a pas été élu. Voilà. C'est terminé. C'est très fort. Bon, et du coup, Zut, est-ce que tu comptes reproposer ton histoire de devenir l'impératrice galactique ou pas? Ben oui, qu'est-ce qui m'en empêche? Mais après, si vous votez pas pour, ça sert à rien. Ouais, non, mais c'est juste que je sais pas ce que ça va te permettre de refaire en plus, mais c'est vraiment juste pour le plaisir de pouvoir couper court au vote. C'est vraiment pas très sympa. Qu'est-ce qui n'est pas très sympa? Couper court au vote. Bah, c'est un peu le truc principal que tu peux faire avec ça, non? Ah. Je parlais de... Je pensais que tu voulais saboter mon élection. Ah non, je peux pas saboter l'élection, j'ai pas le super pouvoir d'être roi du monde pour ça, donc... Ah. Mes vaisseaux ont été mis à jour. Oh, super appréciable, ça. Vraiment incroyable. Ah, incroyable. Tout à fait. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé entre temps? Eh bien, pas grand chose. Ah putain, mais je peux construire plein de vaisseaux maintenant en fait. Trop cool. Ils m'embêtent là avec leur flotte à la con. Rien qu'à m'embêter. Flotte de picor là qui se balade. Des gens pas très... Ouais. Ah oui, et salut à K4 hein, qui avait dit Bastel vulgaire, bien sûr. Oh. K4
Ah, c'était déjà aussi en live, ça. Oui, oui. On a leak le mot de passe. De... Oui. Ouais, bon, t'inquiète, personne n'est en train de nous rejoindre actuellement, enfin, j'espère. Je crois effectivement pas. Oh, tragique. Putain. Misant pour Noël, tu me rappelleras quand même combien... le prix du setup de lumière pour les gamers. Je suis quand même indigné par la tonne de lumière violette qui se trouve chez toi. Je sais pas, lumière violette, c'est la webcam qui rend comme ça. Ah bon, bah il faudra une meilleure webcam aussi alors. Tu as fait ta liste au Père Noël. J'ai été un méchant garçon, Bastel. Oh non. Ah là là. C'est la mère Noël qui va venir. Elle va t'offrir du charbon. Un objet rond dans un papier orange. Pourquoi un papier orange? Parce que ça peut gâcher une orange. Mais en fait, c'est du charbon. Bon appétit. Ah. En vrai, on n'a pas idée du prix du charbon. Moi, perso, à la place de la merde, je me casserai pas le cul à lui filer un objet aussi cher que ça. Moi, on en produit, plus le prix monte. Hein. Dîner. Mon petit. Ah, j'arrive pas à le faire façon de Kairi, mais. Burger. C'est ça que vous avez en tête. J'avais en tête le roi dans. Ah, moi j'avais ça aussi. Là. Enfin, j'avais surtout ça. J'en cherchais d'autres. Il n'y a pas eu des changements légers d'affichage dans la bannière dont les. Ah, bah oui, c'est ça, il y a des parenthèses maintenant sur les bonus gagnés. Parenthèses ? Oui. Là, par exemple, sur ton énergie, il y a écrit plus 1k entre parenthèses. Alors qu'avant, il n'y avait pas les parenthèses. Non. Bah, c'était catégorique. Ah, bah, c'est sûr, ouais. Ah, oui, mais moi, j'ai pas les parenthèses. Oh, voilà. Bah, écoute, pourquoi Mizan, il y a des parenthèses ? T'es pas in. Hein. Je sais pas, j'ai rien touché, moi, depuis. J'ai pas touché. Pas touché, oh. Bon alors ça se conquérit ça. Conquérit. Ça se conquiert. Oh va te faire. Oh. Le français c'est pas ma première langue, laissez-moi tranquille. Ouais ça c'est bien ce qu'un Alsacien dirait ouais. C'est toi l'Alsacien. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça pourquoi Bastel? Est-ce qu'il y a plein de. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Bastel, 6 mois à Strasbourg. Like, oui. Bilingue. Tout à fait. Prilly, qu'est-ce que tu vas faire quand Zut va te déclarer la guerre? Mais... Pourquoi y'aurait une guerre? Je sais pas, je demande. Pourquoi t'insinues ça, Bastel? C'est pas gentil, Bastel. Moi, je dis juste que les GAFA vont se faire soulever en moins de 2 et qu'ensuite Zut va avoir encore faim. Ah non, c'est super long, en plus j'ai qu'une sort l'armée, là. Oui, non, mais voilà, c'est super long, d'accord, mais on en reparle dans 100 ans, quoi. Oh, mais d'ici ouais, 100 ans, on dans 3 mois, la prochaine partie. Ouais, c'est vrai. Enfin bon, attends, il y a que Zut qui fait des trucs, hein. Moi, perso, je vivote, mais fois 1000. Mais déclare la guerre à tes voisins, là. Ouais, vas-y, Bastel, essaye. Non, mais après, les voisins, ils vont me soulever, alors... Je sais pas, peut-être que Prigny elle a pas beaucoup d'armées. Hein. Ouais, bah c'est bien connu, Prigny est un territoire tout petit. Bah oui, je te fais. Elle dit attaquez-moi. Moi j'ai pas envie. Je vois, puissance de la flotte supérieure. Oh purée, elle les cache bien ses vaisseaux, Prigny. Ouh bah dis donc. Non, mais c'est le colosse ça. T'as un colosse, Prigny? Ah non, j'ai pas de colosse. Ah bon, elle a pas besoin colosse, de ça. De toute façon, c'est pour détruire les planètes, c'est pas... Ça peut pas se battre contre les flottes. Oui, mais c'est quand même sympathique d'en avoir un chez soi, quoi. C'est un peu comme l'arme atomique. Il va pas forcément t'en servir, mais ça permet de dire aux gens que, voilà, tu peux posséder une certaine force de frappe. Mais les gens, ils sont pacifistes. Je dirais pas non à un colosse avec une certaine force de frappe, mais bon, il y a d'autres priorités dans la vie, quand même. C'est vrai, genre avoir 30 000 mastodontes... Et élargir la taille de... Ouais, très bien. De son empire. Ouais. Hop. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Misant, est-ce que tu penses vraiment que je serais tombé dans la bassesse de
d'associations aussi triviales que celle-ci. Ce serait fort étonnant venant de toi, bien sûr. Exactement. J'en serais sûrement derrière. Oui, bah, comme actuellement tu l'es. Assis dessus, même. Eh oui. C'est qui se bat là? Ah, mais c'est les panuries. Oh, les panuries se battent, j'espère qu'ils vont perdre. Oui, bah, ils sont contre les GAFA, ils arriveront pas. Ouais, mais bon, c'est nul. Ils essayent, hein, mais c'est très mal. Ils vont faire en sorte qu'il y ait quelques petites pertes quand même chez eux, genre subtiles et discrètes, quoi. Ah, y a beaucoup de pertes chez eux. Parfait. Oh non. Ils sacrifient leurs troupes. Oh non. C'est terrible ce que j'apprends là. Ah, mais les panuries, ils sont chez moi en plus. Genre, il y a une enclave des GAFA chez moi à Mercura. Et ils sont en train d'essayer d'attaquer une station. Bon, ils vont réussir en plus, mais comment ils ont réussi à aller jusque-là, ceux-là? Bah, ils sont passés par la porte. Ah, bah oui, tout simplement. La porte. La porte qui est juste chez moi, et ensuite ils sont passés par les fenêtres qui sont tout à fait ouvertes. Enfin, les frontières, quoi. T'as ouvert tes fenêtres. Il faut aérer, Bastel, les consignes du gouvernement. Les consignes gouvernementales étaient pourtant très claires. C'est les consignes gouvernementales, c'est libre d'interprétation. La loi, c'est moi. Bah, les consignes gouvernementales, c'est des gentilles recommandations, apparemment. Bon, enfin bref, quand est-ce que les panuries vont... cesser d'exister, en fait. Bison qui regarde le fight le plus incroyable. C'est 420 versus 410 et c'était long. Hein. Mais ils ont quand même réussi au final. Ça s'est pas joué à grand chose. Ouais, point d'attaque de la flotte contre point de défense de la station. Y avait pas un K entre... Non, c'est juste 420 et 410. Ah oui, giga fight. C'est tout. Putain, le combat de sauterelle, piou piou. Ouais. Un combat excitant. Dantesque. Haletant. Ouais. Irrespirable, le Figaro. Captivant. Ils ont vraiment utilisé ça comme... comme façon de promouvoir... Tu regardes la moindre affiche de film américain ou même de film français, t'as toujours des critiques en un mot. Des critiques payées, d'ailleurs. Oh, en plus, oui, sûrement. Ah non, pour en douter. Ces gros sacs... à quoi ça servirait d'avoir un journaliste qui fait des critiques de cinéma si c'est pas pour se faire payer pour écrire des critiques favorables, enfin franchement. Ben, il y a toujours des critiques favorables, donc c'est clairement que... Non mais en vrai, bon, moi j'ai de toute un manière... Un avantage monétaire. Je pense que c'est clairement un truc qui est sur le déclin, les critiques de cinéma de la part des journaux. Non, 30 000 personnes sont en mesure de donner leur avis sur le moindre truc qui sort, du coup pourquoi tu tiendrais davantage compte de l'avis du journaliste du Figaro plutôt que de l'avis du random quelconque que tu suis sur Surtout Twitter. Que l'avis du journaliste du Figaro, c'est sûrement un avis de boomer. Alors que si Himno va regarder un film et qu'il poste une review sur Twitter, j'y accorderais sûrement plus d'importance. Et pourtant, je ah peux oui, pas mais en plus, lui en Himno, il est dans une autre ligue avec son charisme. Ah bah, carrément, ouais. Himno... Vous savez, ça sert à rien de lui reluire le poil, hein. Il est pas là pour ce sub. Il est pas là du tout, en fait. C'est pas facile. Mince. Disons, je suis dans une logique altruiste, même s'il va pas nous donner d'argent tout de suite, je suis... Ah, tu vas clipper ça et tu vas lui envoyer ensuite. c'est comme le karma, tu sais. Non, c'est faux. Je voulais vraiment les bonnes choses reviennent toujours. Bon, enfin... Mais jamais je penserais à faire une chose pareille, là c'est vraiment uniquement toi qui l'as vu comme ça. Franchement. Oui, bien évidemment. Honnêtement. Oh. Non mais c'est de ma faute, hein. J'assume l'entière responsabilité. On me prête des intentions que je n'ai pas là. Je me permets poliment d'être outré. Tant que ça reste poli, moi ça me va. Bon, alors ces GAFA, ça s'assimile. Alors, comment dire, c'est une intelligence artificielle centralisée
ce qui fait que les drones qui sont déconnectés du réseau... Oui. Voilà, quoi. Il n'y aura bientôt plus de greffes. Ah, bon, très bien. Ça fait plaisir. Mais bon, je serai quand même plus soulagé le jour où il y aura plus de pénurie. Oh bah, il y aura toujours des pénuries, hein. C'est des citoyens de mon empire. Même s'il n'y a plus écrit ça souffle, hein. Souverain panier là là. Sur la carte, il y aura toujours des pénuries. Ouais. J'en prends en partie. Research complete. Ah. Non, mais tu veux pas les assimiler un peu quand même, là, genre leur montrer la vraie culture oh. Allez, là. La culture de les dames. Délicieux fromage hollandais. Parce que panurie, pour moi, ça fait surtout penser à un panari, et les panaris, c'est vraiment nul, quoi, ça me fait les pieds. Ah, mais c'est en fédération, je peux pas les assimiler, moi. C'est fait exprès, hein. Disons. Pourquoi moi tu... J'ai rien fait. J'avais oublié, moi. Je te prends, à témoin. Est-ce que tu trouves pas que cette situation est intolérable? Alors. Je vais juste regarder les choses que j'ai le droit de dire et ça j'ai pas le droit de dire et je reviens j'ai vers pas toi. Rentré dans mes DM. Misant muselé par la puissance sutoïdienne. Ouais, c'est trop tard là. L'opposition des GAFA a été écrasée donc je peux très bien. Je fais un égard parallèle actuellement. Voilà donc, Misan, si tu as quelque chose à dire, tu peux. Non, c'est l'inverse. Bah non, justement, bah c'était. Ça veut dire, si tu as quelque chose à dire, c'est trop tard. Ah oui, pardon, j'ai entendu ce que je voulais dire. Cela va sans dire. C'est possible que j'ai. Qu'ils soient pas raccordés, c'est vraiment des gros sacs, quoi, merde. Genre, pourquoi il y a un problème de carrefour commercial? Commerciaux, tu veux dire? C'est un problème. Ouh. De carrefour commercial. Est-ce que ce serait Basté qui se fait reprendre sur le français? Bah non. Moi j'ai dit que c'est un problème de carrefour commercial, mais c'est, ça peut se dire au singulier aussi. Oui, hein. Ça fonctionne jamais seul un carrefour commercial. Ah bah si, tu construis un carrefour commercial. Après, bon, c'est sûr que c'est un peu bête s'il est tout seul, mais. En l'occurrence, c'est vraiment un problème, il y a un carrefour commercial. Puisque je sais pas comment ça marche, mais que je ne comprends pas pourquoi j'ai certaines de mes bases qui ne sont pas reliées aux autres par un carrefour commercial alors qu'elles sont au beau milieu de tout le reste. C'est sûrement vraiment, une question de route commerciale. Mais oui, mais si j'ai... Mais dans ce cas-là, c'est une seule route ou pas? Je ne sais pas. Comment saurais-je? On va construire des carrefours commerciaux partout. Ça m'indique. Bah, c'est l'indigné. Oui. Ah, bah, c'est est-ce que tu veux les chômeurs? Est-ce que je veux ou est-ce que j'en ai? Non, t'as bien compris ce que je t'ai proposé. Est-ce que tu c'est non et oui. Alors, bah, du coup, tu vois ma planète moins de chômeurs, tu peux envoyer des chômeurs dessus. Bah, il nous faudrait un traité migratoire unilatéral. On est en fédération, t'as pas le droit de le faire. J'en sais rien, c'est pas moi le chef. Ah ouais, si, c'est moi le chef. Trop voilà. Bien. Et voilà, ça n'existe pas par contre, les traités de fédération, de migration unilatérale. Fais chier. Oui, non mais ça c'est misant, il me sort son plus beau bullshit. Oui, alors vous inquiétez pas, on va juste partir dans l'article 413 du traité B90. Vous inquiétez pas. Pourquoi tu dis bénonante? Est-ce que t'insinues quelque chose sur l'état de l'Union Européenne? C'est juste que je trouvais ça plus joli. Oh merde. Non, t'as pas avoir balancé un chiffre absolument moche. La méchoulache a été choisie pour exercer la présidence de l'entente. Bon, il est temps de faire ses valises. Quoi? Carrément. C'est ça qui est excellent. À chaque fois que ça arrive, je peux refaire la même blague et j'ai toujours la même réponse. Oui. Je peux faire. Le Pen, il va déclarer la guerre au Pen. Il oui. Peut pas parce que c'est par Zvet. C'est un événement logique. Ouais. Hop, tiens, allez, hop.
vais te filer la présidence. Non. Oh, on a perdu l'expérience. Quel sac. En plus, c'est toi qui as la plus grande puissance économique, c'est toi qui aurais chopé la présidence. Mais quelle patate, putain. C'est abusé. La politique au sein de la fédération est incompréhensible. Suck. Migration libre refusée. Quoi, elle était acceptée de base? Non, elle était... Ah non, elle était refusée, tu veux l'accepter? Mais ouf. Oui, c'est toi qui m'as... Ah, on perd de l'expérience quand même. Comment c'est possible? J'ai dit oui. Mais c'est, bon, attends, c'est juste que t'en as refusé une avant. On a refusé une avant. Je dois rattraper. Ah, putain, mais du coup, on a perdu notre niveau 5. Oh, mais non, non, on va le perdre. On l'a pas encore perdu. Oui, bah alors. La fédération brûle. T'as intérêt à me filer. À mettre du monde dans la fédération. Hein, c'est important. Oui, bien sûr. Alors, oui, j'ai beaucoup de monde dans la fédération actuellement. Beaucoup, c'est beaucoup de monde. Vérifier, hein. Un membre contributeur, mais Choulache, 7. Putain, on va perdre notre niveau fédéral à cause de cette connerie en plus. Voyons voir qu'est-ce qu'on va perdre vraiment, c'est si c'est important ou pas. Rejoindre ma fédération. Bah, tu vas perdre un émissaire quand même. Bah, je l'ai déjà perdu. J'étais à 13 et maintenant je suis à 12. T'as 12 émissaires, mais... Ouais. Ça va, bastard. Il y a des gens, ils ont pas 12 émissaires, hein. Je dis ça comme ça. Mizan, il a mis tous les trucs de surveillance et de ouais, répression. Non, mais voilà, mais Mizan, il surveille même pas. Moi, j'en ai rien non à cirer. Attends, ça se voit où, ça? Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir été spécialement... J'ai pas le souvenir d'avoir été spécialement... Non, j'ai subvention à la recherche, bureau des renseignements, c'est pas... Oh, c'est pas méchant, ça. Ouais, bah moi j'en ai pas. Après, bon, voilà, ça priorise le décryptage, pour peu que ça veuille dire quoi que ce soit. Mais... Si c'est une pente. C'est une pente glissante, ça, mise en. Mais non, c'est ouais, décryptage glissante, pour se. Pente glissante. C'est se protéger non, des menaces extérieures. Sweep, ships upgraded. Sweep, sweep. C'est la porte. Ah. Oui. Non, c'est pas. Il n'y a jamais marqué répression dans ce truc-là, donc. Pas de raison que ça en soit. Il n'y a pas marqué répression sur ma matraque actuellement dans ta bouche. Il y a écrit amour. Du coup, ça va. Ne vous inquiétez pas. Mes bottes militaires sont roses. Elles ne font que le bien. Ah bon? Oui. Super. Non mais très bien, putain, mais Mizan avec ses 12 000 émissaires... Bon, heureusement, grâce à des émissaires diplômés, et au détriment de mon poids diplomatique au sein de cet univers de gros sacs, eh ben, j'ai quand même pu ramener la Fédération sur une meilleure trajectoire. Fabrication, un avenir meilleur. Oh, mais c'est chouette, ça. Probable, ouais. Mais personne vote, pourquoi? Votez pourquoi? Dîme sur les 100 âmes, qu'est-ce que c'est que ça? La dîme sur les 100 âmes. Hein, zut. Pourquoi tu fais une dîme sur les 100 âmes? C'est les gens qui ont pas d'âme. Ouais, mais en fait, j'en ai chez moi, alors pourquoi... plus cher... d'un point de vue... Ouais, moi je vais soutenir cette mesure, elle me paraît logique. Et du coup, on propose d'instaurer une taxe supplémentaire. Ça pour, a l'air vraiment pas très leur intéressant santé, en fait. Hein, Bon, enfin je cherche pas, hein, j'ai dit non. Quoi? Hein? Mais c'est important. Ouais, Bastel, pourquoi tu fais ça? Tu penses pas à la santé des sans-âmes? Ouais, mais moi j'en ai plein des sans-âmes chez moi. Mais il faut penser à leur santé, alors il faut prélever un impôt supplémentaire. Ouais, et bah tu le prélèves. C'est pas bien les impôts. Oh, alors doucement. Hein. Ça, c'est bon. Mais... Non, faites un truc, commet l'évasion fiscale.
impose ceux qui ont les moyens de payer. Upgraded. Ça va. Mais pas les pauvres petits robots quand même. Mais les robots travaillent. Payer. Estelle, ils peuvent travailler sans s'arrêter. Ah bah dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend? Et puis ils ont pas besoin d'aller à l'église non plus. Oui, sûrement. Estelle, est-ce que t'es allé à l'église récemment? Pense à ton âme. Pense au salut éternel. Bon, alors là... Et c'est moi qui glisse, hein. Ah non, mais ouais, c'est... Bon, Moi, je fais mon RP de fanatique spiritualiste. Le clergé est en train de très bien fonctionner par ici. Non, le clergé, il n'y a pas de clergé chez nous. Petit dérapage fasciste sur ce stream. Léger. Quoi? La vérité sort de la bouche de K4, c'est écrit dans mon livre. Techniquement, je suis plus... comment on dit? Quand il y a une couronne et tout, et puis qu'il y a des jolies robes, que les gens prennent les couronnes dans leurs propres mains, du main du vieux, là. C'est genre impératrice, en fait. Non, c'est bien ce que je me disais, que tu étais un peu une sorte de diva. Très bien, c'est doté. Je vois que tu n'as rien à répondre, donc c'est que c'est la vérité. Écoute, Oui. Ouais. Ships upgraded. On a. On a une personne immortelle à la tête d'un empire religieux. Ouais, bah forcément, ça se la raconte. J'ai bien compris ça. Hein. Moi, j'essaie de comprendre. Oh non, ils ont pris un morceau, les. Oh les salauds. Bon, bah quand même, c'est une guerre, ils ont le droit de faire une ou deux victoires de temps en temps. Il y a les panuries qui ont occupé un morceau des cafés. N'importe quoi. Et voilà, ils vont encore te le piquer après. Mais ça fait n'importe quoi en plus. Tu vas pas pouvoir les tu vas pas pouvoir le leur récupérer facilement en plus, hein. J'espère que tu le sais. N'hésite pas à les assimiler pour pouvoir récupérer le bout qui t'appartient. Par contre, les armées. Attends, mais les panuries, ils ont chipé un truc chimisant, mais genre vraiment, c'est au milieu de nulle part. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quoi donc? Réactivement à ce sujet, il y a le système de Mécura. Oui, bah, j'en avais parlé avant. Les panuries, ils sont chiants. D'accord. Bon, du coup, Misan, quand est-ce que tu revendiques le droit à récupérer ton propre territoire? Bah, c'était pas à moi de base. Ah bon? Non, toute la partie à droite de Sastram, qui est juste en bas à gauche de Mécura, c'était aux Oginolox de base. Oui, non, mais bon, et ensuite, les GAFAM et moi avons tapé sur les Oginolox, et eux, ils ont chopé ça depuis des temps immémoriaux. Bah si, moi, parce que j'en ai encore chez moi. J'ai gardé que les Oginolox cool. Les autres, ils ont mystérieusement disparu. Les Oginul et les Ogicool. Ouais. Oui. Ça change rien au fait que j'ai pas spécialement envie de bastonner juste pour une petite merde où y a rien dessus. Moi je trouve que c'est au contraire un prétexte idéal pour déclarer la guerre. Bah vas-y. Ouais mais c'est pas le mien, c'est pas sur mon. Bah alors. T'as qu'à choper ton morceau de Crimée, là, juste au nord de chez toi, là, qui attend. Oui, hein. Ouais. Il y avait pas des gens de type fanatique religieux qui protégeaient systématiquement la veuve et l'orphelin, là. À mon avis, il n'y a pas forcément besoin que les champignons aient quelqu'un qui les défende. Si tu veux mon avis. Quoi? Mais je... Oui, c'était ça ton morceau de Crimée, Bastel, ah au bon, nord. C'est la petite couille que les panuries m'ont piqué lors de la dernière guerre. C'est rien du tout, ça. Quoi, mais. Non, mais. Brouti. Crini, c'est la Corée du Nord, au mieux, si tu veux. Et l'arme atomique. Bon, j'ai été sauvé, Bastel, un jour, et c'est comme ça qu'il remercie. Ouf. Non, mais c'est juste pour sous-entendre que tu as les moyens de te défendre. Tu as une économie potentiellement tournée vers le militaire. Moi, je suis juste un gros patapouf. Je veux dire, un jour, tu me déclares une petite guerre flash, là, tu reprends la moitié de mon terrain vers le nord, tu repars pépouze, personne ne s'en rend compte de rien. Giga pépouze.
parce que bon, je veux pas dire, hein, mais si jamais un jour tu voulais m'attaquer, il faudrait quand même constater que j'ai pas une seule base stellaire pour te bloquer. Donc bon, après tu le prends comme tu veux, hein, mais moi à ta place, je me poserai la question. Qui ? La question, est-ce qu'il y a pas une... J'ai pas compris, je veux être attaqué du coup. Ah, c'était pas la question que t'allais poser, Lucky. Là, j'ai mal compris alors. Ouais, les GAFA veulent devenir associés fédéral de l'entente, je crois qu'ils ont très envie. Oh, ils sont insignifiants. Bon, bah non, vous êtes un peu nuls. Bah oui, bah t'as vu ce qu'il en reste, les GAFA. Ouais, bah ils sont un peu nuls, quoi. Bon, enfin, du coup, mais c'est vrai qu'en soi, cette remarque sur le fait que Pridi peut potentiellement me vassaliser la moitié de mon royaume quand elle veut, parce que. Enfin, de mon royaume, de ma démocratie participative. Parce que je suis tranquillement en train de rien faire chez moi. Ça fait réfléchir. Non, c'est pacifiste, ils ne feront pas ça. Ouais, bon. Ah oui, c'est vrai, tu peux t'en servir de ça, parce que Prini, elle a pas le droit de déclarer des guerres d'agression. Moi, j'ai pas peut-être pour ça que, j'ai, pas fait, que j'ai fait aucun effort. Mais comment tu fais, du coup, si tu veux t'étendre, tu peux pas? Je ne m'étends pas, je suis très bien comme ça. Ah oui, bon, d'accord. Et quand tu peux toujours construire des habitats, tu peux construire des anneaux-mondes... Mais tu peux changer ton... Tu peux changer cet aspect-là de ta personnalité ou pas du tout? C'est compliqué. C'est bien être pacifiste. C'est possible, mais c'est relou. Bon bah du coup voilà, mise en pas de Crimée, parce que eux, ils sont contents et nous aussi. Donc étant donné que Prini peut potentiellement, si elle se trompe en se bouchant, nettoyer de la carte. Bon bah du coup. Nique la paix cependant, go Bastel. Ouais, non, mais bon, en même temps, K4, lui, il est confortablement assis dans son fauteuil en train de se dire: oh, tiens, machin, vous pourrez bien vous faire la guerre. Moi, je suis là un peu, bon, pas trop. Quoi. Pourquoi pas, non. Après, bien entendu, c'est un choix qui ne regarde que moi, mais. Tous, ouais, j'allais le dire. Ah. Zut, qui répète fidèlement l'ensemble des bruitages qui se surgissent de mon micro. Oui. Fidèlement. Attention, je vais faire couiner mon fauteuil. Squeak, squeak. Ah non, il couine pas parce que j'ai bien resserré les accoudoirs avec ma fameuse clé Allen. Je n'imiterai pas le squeak, squeak. C'est uniquement parce que tu l'as pas encore entendu, le squeak, squeak. Purée, mais j'en ai marre, je veux avoir accès au réseau commercial avec ma base stellaire, on est quand même pas des ploucs. Laissez-nous avoir un magnifique réseau là. Je trouve ça honteux. Proprement honteux. D'accord pour trouver ça honteux. Peut-être. Ah oui, très honteux. C'est honteux. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Est-ce que. Peut-être que... Oh... Peut-être que... Non. Oh là, mais regarde-moi la taille de ce que Edamia va devenir. Bon. En fait, je pense que si Zut veut pas annexer les Panuri, c'est surtout pour qu'on oublie que Panuri égale Edamia, et pour qu'on sous-estime un petit peu la taille que ça fait. Si, moi je veux bien les annexer, mais faut que j'en transforme en vassaux d'abord. C'est... Plus vite. Ils ouais. Veulent pas devenir mes vassaux. Ouais, vassaux. Et alors ? Prigny et Misan complotent Bastel qui les laisse préparer leur invasion. Point de suspension. Moi je dis, il faut être proactif et agir. Oui, sois proactif, ne laisse pas déposer plus de CV pour obtenir un entretien rapidement. Aïe. Bastel, si tu te fortifies pas. Le terme proactif pour moi c'est uniquement le monde du travail, pas le monde de la guerre. Tu vas pas aller faire une guerre proactive. Je suis hashtag flex hein, avec. Je suis hashtag flex avec Napoléon qui dit l'attaque c'est la défense. Oui, voilà. Exactement, c'est totalement ça qu'il a dit et pas du tout l'inverse. Bah non, il dit si tu veux bien te défendre, t'attaques. L'attaque c'est la défense. Ou la meilleure défense c'est l'attaque. Hein, c'est ça, c'est un peu plus passé à la postérité. Un truc exact, mais. Oui. Mais tu sais que si t'as interverti les propositions, ça peut confuser ton auditoire. Un accord de recherche avec les GAFA, mais enfin, mais vous êtes insignifiant, qu'est-ce que vous venez... Enfin, comment avez-vous trouvé la route de chez moi déjà? On vous a laissé rentrer?
Sans doute par accident. Ouais, la question, c'est qui vous a laissé rentrer. Oui, non, mais là, clairement, les responsables seront châtiés. Enfin, je veux dire, on est peut-être pas... ici, on n'est peut-être pas là pour prendre des risques, mais on peut quand même snober les oeufs qui sont en train de se faire wipe de la planète, quoi. Ah bah les GAFA, c'est un zouave. Oui, y'a un une machine. Ships upgraded. En plus. Ah ça y est, ça c'est bien, parce qu'il y en avait marre. De la tempête spatiale. Oui. Ça enfin, coupe je pensais les... pas que, que c'était concerné aussi. Ça coupe les boucliers dans tout plein de systèmes. C'est très ennuyeux. Ah oui, franchement. On n'est pas tous assis sur nos deux fesses. Ah bon ? Rien faire. Comme Paul. Qu'est-ce qu'il fait Paul ? Paul deux fesses. Merci bizarre. Ouais. C'est honteux. Ouais, je sais. Je suis très content. Oh merde, enfin je continue ce jeu aussi. Tu veux remercier pour... Bah, sûrement, il doit se dire que c'est X-Ride meilleur jeu, mais voilà, ça permet de faire ce genre de référence de haute qualité. Allez, on va augmenter notre capacité administrative, il est plus que temps. Quoi vous fait... Oh, mais Prini, pourquoi t'acceptes des traités de la part de ces... Mais ils sont pas méchants avec moi. Non, mais moi c'est bon, hein, moi je regarde de travers la moindre personne qui... Mais forcément qu'ils sont pas méchants avec toi, personne n'est méchant avec toi, tu es méchante avec personne. Moi je suis méchant avec mes voisins de droite, comme tout le monde d'ailleurs. Enfin, je veux dire, si vous aviez un voisin de droite, forcément vous seriez méchant avec lui. Ah oui, je vois totalement. Genre en bas à droite. Oh. En bas à droite de notre galaxie, de notre système. Oui, de notre galaxie, hein, oui. Après, j'aurais pu profiter de l'invasion des GAFA pour attaquer les Panuri. J'ai pas droit, après il y a Zut qui va mener trois guerres de front, qui va me sortir son petit colosse, qui va faire zoup zoup ta capitale, je la gobe. J'ai pas de colosse. Ouais bon pardon, alors qu'il va juste sortir ses 300 000 de flotte en rab qui traînait là en attendant un éventuel deuxième combat à mener, qui vont faire zoup zoup, je bouffe ta flotte hein, au petit déjeuner. Ça c'est plus probable. Voilà, bah tu vas faire des mouillettes avec la tête de mes chefs, du coup j'aimerais autant arrêter avant que ça commence. C'est une tradition française, ça, les mouillettes. Oui, c'est bien pour ça que je pense que tu... Qu'est-ce que... Non, ouais, non. Bravo. Allez, grosse game, les gars. Putain. Ships upgraded. Ok. Ships upgraded. Ah, mais oui, on est en 2500. Quoi? Mais c'est pas en 3000 que ça se finit? J'en sais rien. Je croyais que c'était 2700 et quelques, mais apparemment, okay, c'est 2500. Écoute, hein. Ok. Alors, bah, en tout cas, je serais content d'être troisième selon les paramètres officiels, genre à quelle heure, mais... Et la Méchouèche avait même une puissance de flotte supérieure à celle de Bizan, mais ah oui, mais moi j'avais juste le Colosse, hein. Après je me suis arrêté très vite de faire des forces. Bon bah ok. Bah écoutez, énorme game, hein. Voilà. Ah, c'était vraiment intense. je pensais pas que ça serait fini aussi vite. Ouais, moi non plus, là... comment on était parti pour 2 heures de mouron. Le jeu qui anticipe la fin de la partie. La dérive fasciste. Allez, arrivé il y a longtemps, la dérive fasciste. Ouais, bon, oui, bon, attention. Je rappelle que j'étais une démocratie au début. Oui, bon, from démocratie, tout empereur, impératrice immortelle, reine du monde. Bon. De toute façon, je veux dire, à partir du moment où on t'a nommé à un moment. Enfin, j'ai oublié l'intitulé, mais bon, voilà quoi. Custodienne galactique, ouais. Oui, voilà. Bon bah écoute, mon grand achèvement en tant que custodie galactique, c'était instaurer, je sais plus c'était quoi, les lignes de transport plus rapides, un truc comme ça. Bizan, ton live fonctionne encore ? Mon quoi ? Ton live, oui, il fonctionne. Bah oui, encore. Je crois. Pas, moi j'arrive pas à charger l'image, ah mais attends. Que c'est... Ah mais j'ai compris. Oh merde, c'est vrai de que j'ai en 4G depuis tout ce temps, mais quel sale. Oh. Heureusement j'ai flûte. Un forfait. Bah c'est l'énorme forfait. Ah bah oui, non mais... Je sais pas, bon on m'a passé mon forfait de 30 à 40 gigas et déjà que j'en utilisais même pas la moitié sur un mois, donc... Bref.
bref, et bah du coup, petit code names, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'on est 4. Sauf si Prini, tu veux rejoindre tes amis sur Hunt Showdown. Non, ils sont déjà 3, c'est le maximum. Ah, les enflures. Oh, oh, je note qu'elle elle a pas dit. Ah oh, non, jamais, je préfère vraiment jouer avec vous. Ah, pardon, oh, oui, quand même, c'est pas ça. Oh, non, mais voilà, tu vois, on reconnaît les fins diplomates des gens qui sont plus cash. Voilà, bon, les choses sont dites. Ouais, bah, si j'avais su qu'il restait si bien peu de temps dans la partie, j'aurais... Mais attends, mais par contre, c'était vraiment 2500 la fin de partie, c'était pas trop. Mais oui, je pensais pas. Il me semblait que c'était 2700 et quelques, moi. Ah d'accord. Bon, bah ok. Eh ben, retour au bureau, hein. Voilà. Et voilà. Pour jeu Stellaris, on y reviendra sûrement. Du coup, GG à tous et bravo à Mastel pour... Pour sa troisième place, la médaille de bronze après. Chocolat. Ah non, le chocolat c'est le quatrième du coup. Oui, c'est la médaille en chocolat. Ah bah bravo à Prini pour sa médaille en chocolat. Nice. Énorme. Et médaille. Et ben du coup, après là c'est vous qui voyez si vous avez envie qu'on fasse un petit truc à 4. Moi je pense que. Moi je suis parti, je propose un code name parce que c'est pas truc qui me vient en tête. Mais c'est comme vous voulez. Mm-hmm. Un petit truc à 4. C'est ça que t'as dit. Oui, un petit truc à 4. K4, mmh. Va nous proposer. Alors K4, il va nous proposer des trucs tordus. Puis les jeux indés auxquels joue K4, c'est pas des jeux à 4, justement. Faut arrêter les bugs avec K4. Oui. Non, objectivement, les bugs avec K4, c'est quand même relativement limité non plus. Hein, aussi. Oh. Là, du coup, code name, ça là. Oui. Est-ce que qui crée qui voilà c'est bon. Qui. Bon, enfin. Oh, je voulais créer une roue mais on m'a dit non. Alors, t'en as créé une ? Oui. Fine Helmet Judge. Ok. Alors du coup, en termes de... ah oui, le mise en doit être en train de setup. Qu'est-ce qu'on fait comme équipe ? Voilà. Énorme. Moi j'ai déjà choisi ma couleur. Moi je vais et faire je face peux éventuellement changer... Oui, Bastel de droite, évidemment. Eh, tu sais que... Ouais, non... Ouais, tu savais que... J'ai un abonnement au Figaro. Aux États-Unis, j'aime bien le bleu. De droite, zut. Hein ? Alors, qu'est-ce que t'en as ? Aux États-Unis, quoi ? Aux États-Unis, c'est toi qui es de droite. Oui, mais toi, t'es physiquement à droite, là. Ouais. Ouais. Et puis bon, aux États-Unis, la gauche est de droite, hein. Je suis désolé, mais... Oui, non, mais bon, forcément aussi. Aux États-Unis, la droite est de droite aussi, d'ailleurs. Misan, est-ce que tu comptes. Attends. Bah, je laisse Prini choisir et je remplis. Je laisse aussi choisir. Ah. Hmm. Je fais un Amstramgram. Ou un pile ou face. Oh, il y a la bonne musique. Il y a de la musique dans ce jeu ? Non, sur le live. Mais sur le live, oui. Ah, mais c'est vrai, du coup, tu peux laisser la playlist. Bah, c'est la playlist que j'ai téléchargée, hein, c'est pas celle que j'ai mis sur. C'est pas celle qu'il y a sur YouTube, parce que moi, sinon, j'ai pas le petit encadré avec le nom de la musique, et c'est important de créditer les artistes. Oui, tout à fait. Ah, mais zut, moi, je pensais. Donc, il faudrait que je télécharge les nouvelles chansons, musiques qui ont été placées, ouais, et ensuite. J'en ai rajouté une douzaine, je crois. Bon, en gros, j'en ai mis 4, 2, 3 jeux que j'aime bien. Ouais, il faudrait faire une extension nous-mêmes pour qu'on arrive à. Non, oui, c'est moi qui dois deviner. Et oui. Ben, bon courage, Misan, je regarde pas le live du coup. Il vaut mieux pas. Hein. Alors. Mm-hmm. Ah, il faut pas regarder le live, alors attends. Oui, non, mais toi, zut, t'as droit. Non, j'ai pas le droit. J'ai constaté que sur mon écran, non, c'est pas coloré. Donc j'aille fermer l'onglet. Voilà. Oui, tout à fait. Sherlock n'est pas rouge, il est bleu. Faut pas le faire de. Quoi ?
Non mais dis rien là, parce que... Je sais pas, mais moi j'en sais rien non plus. J'ai pas regardé le coup. Moi je suis là pour te faire fondre le cerveau, hein. On est tous les deux dans, dans le même bateau, mais je veux quand même que ce soit toi qui t'angle le plus. Ouais, c'est... c'est pas facile. Mm-hmm. Comment est-ce que je peux ouvrir le chat alors? Donc tu peux l'ouvrir dans une une fenêtre externe. Odeur critique, moi je peux, mais il faut que j'ouvre le live. Oui. Bah si tu veux, attends, je te dis quand tu peux... J'ai coupé la source, maintenant il faut attendre 5 à 7 secondes et après ce sera bon. Qu'est-ce que tu fais, Je coupe la source histoire de vous laisser regarder le live pour mettre ensuite juste la fenêtre de chat si vous la voulez. J'aime bien voir le chat et regarder les remarques acerbes de K4 sur la politique. Mais attends, à quoi ça sert de faire ce que tu viens de faire, Misange? Je comprends pas. Moi, je veux pas regarder le live. Oh, hein. Je rajoute une vue, mais je regarde pas. Enfin, je veux dire... Il est relou. Hein. C'est pour pouvoir accéder au chat, Bastel, le temps de faire juste d'appuyer sur le bouton pour externaliser le chat et pouvoir fermer le reste. Cette fenêtre, voilà. Oh oui, mais alors... C'est vrai. Et voilà, et en plus, je vais avoir le son en le mettant par-dessus. C'est bon maintenant? Bastel nul, il veut pas me lire. Ah, oh, voilà. Voilà, j'ai bien fait de... Je suis désolé, Gaga, oui. Mais pour le coup, en fait, au moment où je me suis rendu compte que j'étais en 4G, j'ai du coup fermé l'onglet Twitch et je l'ai rouvert un peu après, mais donc pendant ce temps, il est probable que tout message que tu aies envoyé se soit perdu dans les limbes, auquel cas, je ne l'ai pas lu. Ouais. Non, mais là, on dit ça parce que tu veux pas ouvrir le chat. Dans une fenêtre. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, juste... Ouais. Bah tant pis, K4 il va pouvoir. Mais c'est bon, du coup je pourrais lire. Allez, oui, c'est vrai. Je cherche, hein. Oui, oui, t'inquiète, mais en vrai. Mais j'ai peut-être quelque chose. Je pense sur toi pour rester d'une neutralité exemplaire lorsque je serai en train de foirer dans les grandes largeurs ta devinette. Alors. Ouais, mais c'est une simple en deux pour l'instant. Oh. Enfin, c'est oui, non, très bien, je. Tu sais, ici, je respecte l'absence. Oh, quoique. Non, allez. Je l'envoie quand même à Prigny avant, histoire d'être sûr. On peut se les envoyer ? C'est trop bien et que du coup, elle veut pas. Et je vais mettre... Tac, tac, tac. Ouais. C'est validé, du coup ? Ouais, puis c'est validé. Allez. Alors, en 3, je vais te donner ceci. Du pain. Oh, ok, bon. Edison, c'était vraiment Claude François. Alors, Edison, il s'appelle Thomas, c'est pas Thomas. Et oui, il s'appelle Thomas, ça commence par un T. Et du coup, ça parle de Thaïlande, il faut cocher Ri. Tu ris. Alors, bah du coup, Edison, est-ce qu'il pue? Non, on n'en sait rien, il est sûrement mort, donc il pue. Mais pour le reste, électricité. Alors Edison, c'est le courant alternatif. Edison, il est américain, donc peut-être de l'autre côté de l'Atlantique. Américain, donc libertaire aussi. C'est vrai, et qui dit libertaire dit forcément pompier. Voilà, non, tout à fait, exactement. Alors après, le problème, c'est que là, peut-être que du coup, Misan est en train de faire appel à une partie de mon cerveau qui n'existe pas, à savoir les connaissances scientifiques. Ça peut être un peu plus embêtant. Je vais commencer par l'électricité, parce que si Edison n'est pas associé à l'électricité, c'est vraiment Misan nul, et voilà, on va perdre cette partie. Donc non, ça, c'est très bien. Et Atlantique, parce qu'il est américain. Oui, mais Edison, c'est aussi un génie, dans un sens, il faut pas l'oublier. Ouais, mais c'est un bébé aussi. Oh bah, c'est un gros bébé, mais il est mort quand même il y a quoi, 150 ans maintenant Je sais plus, non, le courant alternatif, non, il doit pas être mort il y a si longtemps que ça, mais pas plus d'un siècle. Il est mort en 1931. Ah, merci. Une information capitale. Non. Bébé était sûrement le mot noir, du coup, je vais prendre génie quand même. Ok. Et du coup, mon dernier guess, ce sera Atlantique, mais celui-ci, je suis un peu moins sûr, je vais quand même le tenter parce que je sens qu'il y a mis 3 en se disant il peut peut-être le faire. Il peut le faire, je crois en lui. Eh bien joué. Oh. Ah. Il est puni
parce que je lui ai dit qu'il n'était pas assez ambitieux de faire des mots en 2, du coup il a fait un mot en 3. Et s'il avait fait en 2, ensuite était, ça m'aurait convenu en fait. Classique. Je vais faire un truc nul en 2, je pense. Désolé, Missan. Ça fait chauffer le cerveau ici. Salut, Hiroshi. Salut, Hiroshi. Qui tapote son pied. Je ne suis pas du tout anguri. Alors. Je cherche, hein. J'ai vu le mot. Normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose de... Allez, ah oui, malin, ouais. Malin. Je vais donner incendie en 2. Attention, c'est chaud. C'est chaud comme un croissant. Ah, mais si. C'est chaud comme les incendies en Australie. Forcément. Et ensuite, oui, j'ai pensé effectivement à l'Australie, du coup. L'Australie ou si le croissant, bon ou pas. L'incendie ça pue. Quoi? Hein? Odeur, un incendie ça pue. Quoi? Ah, merde, c'était pas l'Australie. Ah, sérieux? <c'est> Bah oui, il y a du feu partout. Enfin, je sais pas, en vrai, il y a plein de trucs qui peuvent cramer parmi ce que je suis en train de voir là. Une recette incendie, genre ça c'est basse-tête quand tu veux faire des bananes flambées. Enfin, je sais pas. Ça aurait été quoi par l'Australie? Parce que l'Australie ça brûle souvent, mais. On dirait que tu parles de ça comme d'un événement qui. Je sais pas, de temps en temps. Un événement régulier. Un temple incendie. Qu'est-ce qui. Bastel Atlantique. Ah ouais, ça fait oui, bah, c'est bien connu. Dès qu'on parle de défense, mais ça soutient l'OTAN. Tu soutiens l'OTAN. C'est Sarkozy qui a rejoint l'OTAN en pendant son quinquennat. Moi, je n'en dis rien, je dis juste qu'on n'en est pas encore sorti. Sarkozy dit non à l'Europe. Maintenant, peut-être. Il y a quelques années, c'était pas le cas. Maintenant, son avis, on s'en fout. Hein. Exactement, son avis, c'est comme le sens du vent. Ça te va, Prini? Le sens du vent, c'est important. Oui, ça passe pas. Hein. Ok. Ah oui, j'avais pas vu le smiley. Okay. Alors. Ouais. Attends. Ouais. Ah, des livres, j'adore lire. Ok, alors, Fonk. Et le troisième, ce serait quoi? À voix haute quand Nicolas Sarkozy lit le temps des tempêtes pour haute. Des recettes, ça peut aussi être un livre de recettes. Bastel, il y en a un que t'as pas vu encore. Ah, si je l'ai pas vu, tant pis. Bon, il passe bien dans les critiques littéraires aussi, on en parle pas assez. Et je pense que si ça avait été critique, le mot qu'il voulait me faire devenir, il n'aurait pas utilisé les livres. Ouais, non, mais tu l'as toujours pas, celui que t'as pas vu. Oui, c'est comme ça. Alors, un bébé livre, c'est un livre pour les petits. Sinon, je sais pas. En vrai. Ah oui, un index pour le bouquin, c'est vrai aussi, il y a ça. Ouais, c'est vrai, il y a plusieurs possibilités du coup. Je sais pas lequel est le moins probable parmi ceux que j'ai pu utiliser, parce qu'en vrai, une plume pour le livre, ça peut être associé, mais peut-être pas. Je pense que Sherlock en mode livre, ce serait quand même le truc le plus probable, parce que c'est quand même, c'est un personnage de bouquin, quoi. Bon. Il faut être dans la tête de... disons. Et du coup, toi, est-ce que tu cliquerais dessus, zut, à ma place? Sur Sherlock? Ouais. Je sais pas. Je pense que je cliquerai sur recette en premier. Très bien, donc je vais cliquer sur Sherlock en premier. Pourquoi j'aurais mis livre et pas roman, espèce de glandu? Ah, je sais pas, hein. Mais pourquoi est-ce que tu mettrais un personnage de roman dans les... Enfin, bref. Putain, il y avait des trucs beaucoup plus logiques que ça, quand même. Ouais, incroyable. Et à toi de faire en sorte que les trucs les plus... Bah, ils étaient là, hein. Ils étaient là. Mais non, pour une raison obscure, Sherlock. Oh, le personnage du livre. Oui, et c'est pas le titre du livre.
J'aurais mis avant le plume, mais j'aurais fait index et recette en premier. Incroyable. Quel maison, tu mets le guess en 7 sur le prochain et ça clutch. Alors, bonne question, Prini. Puis là, essayer de deviner, enfin... Bah, normalement, oui, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Oui, oui, je suis d'accord. Ouais. Après, c'est un peu obscur, mais haha, ça va. Oui, oh, mais j'aime bien les trucs obscurs. Moi, j'aime bien quand on dit que ça va bien se passer. Oh, mais... Castel, oh, oh, ça, c'est scandaleux. Genre, le mot génie, il était avant sur le... Oui, mais il n'y est plus. Oui, c'est ça, justement, c'est pour ça que j'étais en mode... J'ai sauté sur mon séant, mais ensuite je me suis rassis. Et du coup, je suis perdu, moi. Ouais. Non, ah non, je suis déperdu, c'est bon. Parce que c'est parce que t'es pas génial. Un génie, on y fait des vœux. Ok. Un génie fait du riz. Ouais, le thème, ça va être plus obscuré. Un génie, ben, c'est pas une plume. Si, peut-être. Ouais. Ah, mais il fait de la magie, par contre. Bah oui. Je sais pas. Ah, le bonhomme bleu, je crois que c'est pas mal. Donc le TG. Il faut une baguette donc à croissant, tu commences d'abord par croissant et ensuite tu fais magie. Où est-ce qu'on trouve des génies? Dans les vases. Dans les bébés. Non, en vrai, magie, c'est pas mal. Mais bien entendu, je suis... Si tu sais que moi, je ferais pas, fais-le. Ouais, mais plus rien qui fait sens. Après, le génie, c'est peut-être grenade, un modèle. La sainte grenade de Worms. Peut-être que c'est pas le même sorte de génie qu'il faut utiliser, du coup. C'est ça, génie critique. Recette de génie, tout à fait. Le Philippe Etchebest du game. Bon, génie, ça n'a pas d'odeur. Ah bon? Ouais, c'est vrai que généralement ils font nuf nuf, mais ils sentent rien à chaque fois. Bon, je vais essayer magie du coup, alors. Mais peut-être que c'est modèle. Pas mal magie. Putain. Bravo. Super stomp. Putain. Je pensais mauvaise en vrai. Ah, dur. Dur, dur, dur. Bastel qui donne quasiment tout, genre la bouche, le croissant, vase. Toutes les trucs qui auraient plu justement à l'équipe rouge. Ah ouais, mais bon, tu vois, en fait, j'ai tellement brain zut que voilà, personne n'aurait jamais pris un mot que j'en choisis. Mais du coup, tu voulais me faire deviner quoi avec livre? Plume, critique, recette. Critique? Et tu mets. Et pas index. Ouais, non. Et pas index. En vrai, il y avait beaucoup de faux amis. Hein. Index, c'est quand même très lié au livre. Alors bah, moi, ça me disait rien du tout. Hein. Pour moi, ton doigt, tu fais ce que tu veux avec, mais je vois pas en quoi index, ça a à voir avec un livre. En fait, l'index, c'est comme la table des matières. Ouais, mais tout le monde s'en fout de ça. Un livre, ça a des pages, c'est tout. Après, ce qu'il y a dedans. Ah bah, il y a des livres qui sont exclusivement des index. Et tu sais qu'une recette, c'est un truc qui fait justement partie des pages d'un livre. Donc, hein, ouais. Bah, un livre de recettes. Oui, voilà. Et un critique de livre, une plume, mais pas Sherlock. Et bah Sherlock qui est un personnage. Oui, c'est un personnage, mais j'aurais mis personnage dans ce cas-là. Relance une partie là, STP. Ouais, relance une partie. De toute façon, on s'en fiche, nous on a gagné, Bizan. Ouais, mais à quel prix? Allez, pour la peine, on inverse les rôles. Bizan qui va se tirer une balle, ouais. On est d'accord, je pense qu'il faut que Bizan se calme. Attends, Spymaster, je sais plus, non, le Spymaster c'est lui qui. C'est. Attends, j'ai déjà. Non, c'est bon, c'est. C'est l'agent qui découvre. C'est celui qui fait deviner. Très bien, parfait. Et l'agent, c'est celui qui devine. Ok, ok. En effet, ouais. Ah, on a les rouges, hein. Pourquoi le fond est passé bleu? C'est n'importe quoi. C'est pour dire qu'on va gagner. Logiquement, ça veut dire que vous allez perdre. Hein. Ouh. Et pourquoi c'est vous qui commencez encore n'importe quoi? Mais parce qu'on a plus de tuiles à faire découvrir. Ah oui, tiens, c'est vrai. Plus ça. De thunes. Oui, bah c'est ça. Ah oui, on est droite. On est droite. Salaud. Vous avez vu cette magnifique vidéo, j'espère. Je balance pas cette phrase dans le vent, hein. Il y avait des maîtres des soutiens d'Eric Ciotti qui était en train de. Il faisait une séquence hyper cringe pendant 30 secondes, il chantonnait on est de droite. Ah! Ouais, bah, écoute, si je retrouve le lien, je vous montre ça. En attendant,
Il va falloir que je sois à la hauteur des ambitions que j'ai demandé à Misan tout à l'heure, et ça va pas être facile. Mais bon, heureusement, vous allez contacter l'assassin. J'avais pensé à mettre déclaration ou indépendance pour plumer liberté. Mais l'un sans l'autre, je sais pas si ça aurait été trouvé. Parce que je pouvais pas mettre déclaration d'indépendance en une fois. Mmh. Ouais, j'ai compris. Ouais. Bastel. Quoi? J'ai une question. Oui. Je vais te l'envoyer en MP. Objectivement, ils sont c'est pas facile les associations jusqu'ici. J'attends la question avant de. C'est pas facile. Je pense qu'en vrai, je peux le tenter en 3, mais tu vas peut-être pas trouver tout. Vraisemblablement, je dirais que oui, mais bon courage. Parce que autant t'inquiète. Moi, je peux te le dire, autant je suis à peu près sûr que Pliny va pas l'avoir. Non, ouh. Je pense que Pliny, elle s'y connaît. D'accord. Bah écoute, je suis en train de me renseigner et. Après, le problème, c'est que voilà, dans ce genre de situation, c'est pas un. Bon. Essaye, tu verras. Bref. Du coup. Ah merde! Ah ça marche pas. Non, j'étais en train de le taper, je me suis rendu compte que Misan allait probablement cliquer sur en premier sur le mot. Le mot maudit? Non. Les maudits maudits? Oh. T'inquiète, j'ai mes lunettes pour voir les tuiles rouges là, je sais lesquelles sont celles où il faut pas merde. Toucher. Ça fait plaisir. Normalement. Mais non, parce que tu vas trouver ça à la place. Bon, ok, bah je suis désolé, je demande un peu plus de réflexion parce que c'est. Oh! Oh, mais Bastel! J'ai trop envie d'associer certains mots en particulier en fait. Tel que. A et B. Ah oui, je vois. Ça fait Béama. Oui. Ou Abba. Abba, c'est bien aussi, non? Bon, allez, tant pis, je vais faire des trucs. Du coup, zut, je vais quand même te le faire valider parce que j'ai. Il y a quand même. Une apostrophe. Oh, mais Bastel. Oui? Tu te valides ou pas? Attends, mec. Bastel, tu triches, toi? C'est quel mot que tu essayes de faire deviner parce qu'il y a. Il y a plein de trucs qui vont pas passer là-dedans. Voilà. Quoi? Ah bah ok. Bon, oh là là. Ouh, j'ai peur. Je recommande de changer de mot. Bon, très bien, ok. Mais moi j'avoue que ça me faisait plaisir comme association. Est-ce qu'ils trouvent ça rigolo quand même? Je sais pas, j'ai pas la culture, je pense. Bon, bah, le premier des deux, j'ai absolument aucune idée d'où ça sort. Bon, et bah pour la peine, Misan, je te mets 4. Mais en ouh. Fait, tu peux faire beaucoup moins. J'aurais dû dire oui, vas-y. Tu peux faire beaucoup moins. Pourtant que la montagne est belle. Et alors, on veut l'idée chelou de Bastel. Bah, y a pas d'apostrophe, donc à mon avis, c'est pas ça. On peut pas révéler l'idée chelou de Bastel, parce que sinon, du coup, ça révèle forcément des. Oui. Des lettres. Enfin, des mots. Mais tu me l'aurais validé sinon. Non, je pense pas parce que ça veut dire quelque chose en fait. Il aurait fallu que tu l'écrives en un seul mot. Oh, putain. Je savais que j'aurais pas dû faire ce mot. Je savais que j'aurais pas dû. Je suis en train de trouver 30 000 associations qui conviennent pas. Ah bah oui, okay, montagne, non. Chaîne de montagne, oui, forcément. Oui. Par exemple. Bah j'en ai eu un, c'est déjà ça.
Exact, c'est nice. Voilà, et moi, le mien oh est putain, très... mais j'ai vraiment que des trucs à la con qui me viennent en tête, j'ai des idées incroyables. Ah oui, bon courage pour ça, ça c'est... Oh mince, je vais mettre juste un petit truc dessus, pas le deviner tout de suite. Putain, bah bravo. Bastel, si tu mets tes blagues en mode pas fort... Quoi? On les c'est entend quand même. C'est un mammifère. Ouais, non mais... Non mais un c'est requin s'en est sûrement. Ouais. Probablement, oui. Je sais pas, j'ai... Mais mes années de SVT sont loin derrière moi. C'est vrai qu'on... Moi, je me renseigne souvent sur la sexualité des trolls. Non mais c'est bien de se poser la question. Hein. Que qu'est-ce que tu qu'un disais, Bastel? Un troll peut être un mammifère, quand même. Oh. Yes. T'as vu, Bastel? J'avais dit que Prunier le trouverait. Et les trolls, c'est pas des mammifères. J'ai plus de ça. Oh, si ça a deux bras, deux jambes, il y a de fortes chances que ce soit un mammifère quand même. Putain, mais toutes mes super idées tombent à l'eau là, c'est terrible. J'ai des trucs absolument incroyables. Bah, en vrai, ta super idée. Non, elle est nulle à chier. Misan, il va cliquer sur le mot interdit dans la seconde. Parce qu'il va penser. Je suis sûr qu'il pourrait trouver un rapprochement. La super idée que tu m'as donnée. Oui. À mon avis, je non. Suis sûr bah, il va pas cliquer sur la carte noire, non, je pense pas. Mais il va cliquer sur plein d'autres cartes qui sont pas de la bonne couleur. Enfin, dans tous les cas, on est quand même un peu, embêté là pour l'instant. Mmh. Ah bah, ça. Mais promis, vous irez l'idée de Bastel. Peut-être que vous pourrez m'éclairer sur qu'est-ce que ça voulait dire. Il faudra attendre la fin de cette partie et enfin on le saura. Putain, mais on aura le droit d'être éclairé sur le sens. Ils sont vraiment immondes en plus, c'est terrible. Oh là là. J'avoue que moi j'ai pas non plus beaucoup d'espoir sur le mot à faire devenir plus... en même temps. Enfin, je vois quand même plus de simplicité pour associer les mots deux par deux chez toi quand même, mais bon. Comment? Ah bah merci, c'est sympa. Et ouais. Oh putain, bon. Fais chier. Ouais, mais non. Parce que à quoi tu vas l'associer après? Évidemment, ah. J'ai pas envie de redonner encore une carte à vous. Encore? Mais pour l'instant, il y en a pas eu. Ah, c'est vrai, c'était un autre le truc? Non, c'était un autre. C'est juste qu'ils sont hyper avancés en fait. Bah, ils ont une carte en moins aussi à deviner. Bah du coup, ignore le 4 de tout à l'heure. Oh, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé mettre boss pour une montagne ou gel ou décembre parce que t'y vas. Bah d'habitude pour les vacances. Stabilo. Je suis convaincu que Bastel a un plan secret qui veut faire un comeback avec genre 7 mots d'un coup. Ah j'aimerais trop hein, mais là c'est... Stabilo, tu écris une lettre avec? Ouais. Je suis perplexe. Ouais. Stabilo, tu signes ton prêt avec? Ah, moi je pensais prêter quelque chose, mais oui. Oui aussi. Je vois pas du tout ce que Bastel voulait avec ça. Okay, bah, moi non plus. Hein. J'avoue que là... Je crois qu'en fait c'est à peu près... Enfin bon, je dirais rien. Je vais écrire les refs à moi. Si t'es en Allemagne, aux États-Unis, tu signes justement l'argent que tu dois à l'hôpital avec un stabilo, sûrement. Alors le premier, je l'ai entendu et j'ai aucune idée de ce que c'est, si ça a quelque chose à voir avec stabilo ou pas. Et le deuxième, je savais pas que ça existait. Oh. Platine nuage. Ça, mais Alors là. Bon. Ouais. Ils ont tout passe, hein. Non, j'ai quand même envie de mettre la montagne. Genre, il y a du gel. Ok, nice. Et. Bizarre qu'il est... Ouais. Et la montagne, c'est haut, ça borde les nuages. Genre, il y a le penseur devant une mer de nuages. Je crois que c'est ça le nom du tableau. Très beau tableau. Ah, j'ai pas le droit de chercher de toute façon. Est-ce qu'il en restait encore au moins deux pour montagne? Boss décembre. Bon, Bretagne, il n'y a pas de montagne, même si ça ressemble.
Pré-mariage requin, non. Lettre poumon non plus. Platine, je vois pas. Tu mines dans la montagne pour avoir du platine? Ah ouais. Je sais pas, mais... Terrible. Robe... Je sais pas, je m'y connais pas en mode. S'il y a des robes montagne, ça existe. Bah vu que t'es haut, t'es peut-être aussi plus proche des éclairs. Enfin, c'est comme nuage. J'ai envie de mettre boss quand même. Je vais mettre boss. Voilà. Et c'est fini. Clutch player. Bien joué. Mais stabilo... Rien du tout. Rien du tout. J'espère que... Ouais, non, mais... Très bien. Moi, j'ai hâte de la fin de partie. J'aurais des rêves. Mais on peut le dire, là. Non, 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 non. Y'a rien à dire. Disons, change rien. Oui, j'ai rien compris du tout avec votre échange, bien sûr. Je garde, bien entendu, une straight face. Ah, c'est exceptionnel. Ah, mais ok, du coup, je pense qu'il va falloir que je plaque ma prochaine idée sur... Obligé. Ils en va trouver. Mais en vrai, il y a 2-3 mots que j'aimerais bien que tu fasses deviner, Zut, si tu peux t'arranger. Alors non. Non. Avec tout ça, j'ai pas du tout réfléchi. Forcément, c'est beaucoup plus amusant de voir les autres en train de galérer. Oh, c'est toi qui proposes des choses non conventionnelles. Oui, mais c'est amusant. Avoue que moi, je serais déjà... Mais bon, t'inquiète, K4, le prochain, normalement, si, même si Zut fait deviner des horreurs, prochain tour, je devrais pouvoir placer mon idée. Ah, tu vas vraiment placer ça? Le truc que tu m'as montré au début? Oui. Ah. Le truc de ouf pour lequel on attend la fin de la partie, normalement? Oui. Bah... Et en plus, il triche. Hein. Pour moi, ça marche pas. Eh ben... Ah. Mais si c'est pas recevable, y a pas de problème. Je le mettrai pas. Mais cherche, y a pas un mot qui permet de dire ça en un seul mot, justement? Ah, bah le truc, c'est... C'est la manière dont il est... Enfin bref, non mais mettons que pour moi c'est le meilleur indice. Même pour moi c'est indéterminant, ce que tu ajoutes du coup c'est explicitement interdit. Hein. Très bien. Et en plus bon, en plus de ça il trouvera pas. Donc. Je vais te laisser le faire juste pour qu'on voit le résultat, mais je pense qu'il te laisse même pas l'écrire, je suis pas sûr. Ouais non mais bon. Bon moi j'ai pas d'autre idée du coup je vais dire ça. Ça va être, je veux toi, c'est médiocre. Voilà. Oh. Ah ouais. Oh. Franchement. Voilà. Bravo, bravo. Joué. Putain, pourquoi il y a Edouard Philippe dans Codename? Je sais pas quoi, le dernier. Un pansement sur le front, mais putain, non, mais par contre, on va tellement se faire. Eh, Misan, j'espère que t'as pas confiance en moi parce que moi non plus, là, clairement, on va se faire laminer sur cette. Du coup, il te laisse écrire ou pas? Ah, je sais pas, j'ai pas essayé, mais je pense que oui, en vrai, y a pas de raison. Tu veux bon, que... Au pire, essaye, hein, mais regarde. Ah, ouais, voilà. Intéressant. En deux, ouais, en deux. Doré de platine déjà. Ensuite, par contre, le poumon d'or. Non, c'est pas ça, c'est le poumon vert. Un pré d'or. Ah, les noces d'or peut-être pour le mariage. Je vais déjà mettre ça. Oui, bon, ça... Ah, le numéro... Non, c'est le chiffre d'or? Je sais plus. Non, c'est... Oh. Le golden chiffre. Chiffre d'or, le numéro d'or. Qu'est-ce que tu dis, Bastel? Les horreurs. Les horreurs. Je me souviens plus, maintenant.
Et du coup, tu nous diras d'où ça vient alors, le deuxième. Ah mais non, tu pourrais pas. Mais si jamais d'aventure il le trouve, tu me diras. Ah. Bof. C'était le nombre d'or, pas le numéro, c'est pour ça que je lui disais, ça paraissait bizarre. Effectivement. Je confirme. Mais bel effort néanmoins, j'apprécie la démarche. Et pour ça, tu voulais faire un 2 de base pendant tellement longtemps. Oui, mais parce que je trouvais. Enfin, il y a des trucs rigolos et puis. Oui, bon, d'or et de platine, je suis d'accord, c'est marrant. Mais bon, par contre, alors après, pour faire deviner les... Oh putain, il y a 5 mots, putain. Oui, oui. Eux, ils vont avoir juste... Ouais, non, mais on va les faire les uns après les autres, donc... Ouais, oh, c'est quand même, il y a... Quoi ? Oui, non, mais vas-y, je t'en prie. Quelles sont les associations que tu vois qui ne sont pas absolument tordues ? Bah écoute... Oh, pas absolument tordues, aucune, mais il y a de quoi faire les associations tordues. Ouais. Alors que toi... Ouais, hein, c'est bien plus simple. N'est-ce pas ? On est d'accord. Oh là là. Ah putain, il faut que je regarde les règles pour regarder ce que j'ai pas le droit de proposer. Enfin, attends. Ouais, bon, j'attends ton tour et je te poserai la question. Pourquoi elle... De toute façon, t'as déjà cassé une règle. Mais tout ça pour deux mots en plus. J'ai droit. Deux mots dont. Dont un seul a été trouvé. Voilà. Autant dire vraiment un game changer. Mais j'avais dit que ça serait comme ça en plus. Alors. Bref. Ouais, je crois pas, du coup, juste. Ça réfléchit. Beaucoup d'ambition de ma part. Ah oui, putain. Bah dis donc, le stabilo, il aurait pu faire mal. Non, mais Mizan est resté brillant. Et n'a pas dévié de ses principes. Bon, du coup, zut, je te propose ça et tu me dis si ça marche. Ah, bah y'a rien qui serait contre, après, est-ce que ça va marcher, effectivement, je sais pas. Mais stabilo quand y'a l'être en face, quoi, non mais... Franchement, c'est... N'importe quoi. Ouais. Mais en vrai, il faudrait que j'en fasse un en 3, si attends, mais qu'est-ce que tu... Attends... Quoi, tu... Ah, comme oui. Ça. Oui. Alors, j'ai droit ou j'ai pas droit? Yeah. Attends, je vais... Ah mais je peux pas lire les règles quand c'est pas mon tour. Quoi ? Ah oui, bah attends. N'hésite pas à me copier les règles et à omettre la partie qui traite ce sujet. Bah je vois pas. Non ouais moi j'ai le point d'interrogation c'est juste pour te dire un peu comment faire ton indice mais y'a pas. Ouais. Eh ben vas-y. En vrai, de toute façon, le truc c'est que là, je retarde l'échéance, mais je sais que le prochain coup, il va être absolument infâme. Mais Mizan, oublie pas que t'as pas donné tous les mots tout à l'heure. Eh oui, je suis une quiche. Non, je trouve pas que ça, en Mizan. Non, en vrai, tu t'es super bien débrouillé. On a pas des très bons trucs. Ouais, on n'est pas des très bons espions et les mots sont... Ah ouais, mais ça m'aide pas beaucoup, ça, en fait. Il y a beaucoup des accents, ici. Ouais, peut-être qu'il y a plein de mots bleus en dessous. Hein. Qui sait. Ça serait quand même un sacré hasard que tous... Ah oui, mais il y en a beaucoup, en fait. Ça serait... Non. Et en plus, tout pile 5. Oh. Est-ce que ce serait... Non. Il faut passer à la route en faire de mille deux. Bon... montagne.
Est-ce que platine c'était en fonction de montagne? Ça c'est... Pfff, j'en sais rien. Dans Pokémon Platine, il y a une montagne, ouais. Ouais, ça m'aide pas beaucoup. Hein. Ça m'aide pas beaucoup du tout, tout ça. Indeed. Ouais, parfois, il y a des idées qui voudraient mieux faire. Ouais, bah, un accent, je mets l'accent sur ce que tu me proposes, Bastel, mais là... Débrouille-toi. Ah, bah, j'ai juste envie d'appuyer sur le mot noir, du coup. Ah, voilà. Oh, mais c'est pas celui-là. Dommage. Difficile. Coup dur. Ouais, oui, on n'est pas aidé. Hein. Vous voulez pas appuyer sur le mot noir? Quoi en vrai? C'est presque gagnable. Ah! Qu'est-ce que tu nous prépares encore? Parce que si c'est encore un truc à base d'accent, ça fonctionne pas là. Ah, mais ça, je me ferai pas avoir. Je ne ferai pas supprimer la carte stratégique en 20 minutes. Je réfléchissais justement sur ce point. Après, j'avais un coup secret pour essayer de faire les deux en même temps, mais c'est pas forcément le risque que j'ai envie de prendre. Ouais. Oh, pas drôle. Non, j'espère pour toi que tu retiens bien tout ce que... Non, mais écoute, on va faire le beau jeu. Oh non. Hop. Je pense que tu fasses le beau jeu. Ah ouais, si, on va faire le beau jeu, Bastel. Non, non. Oh non. Ah. On peut suturer un poumon. Dans ça, Trauma Center Under the Knife, tu peux, ouais. Oui. Je suis pas docteur, mais... Vous avez des souvenirs de vos jeux sur DS? Moi, j'ai adoré celui-ci. Bien joué. C'était quoi, du coup? Nylon. Nylon. Alors là... Ouais, moi, je vais tenter le prochain catch en mettant E accent grave RE en guise d'indice sur le prochain, histoire que tu vois des requins ou je sais pas, il y a R. Pourquoi accentuer R comme Rob, R comme requin, éclair. Qui se résout au pire des stratégies. Bah, tu t'as vu les mots de départ aussi, ils ont aucun lien entre eux. Mais donc, du coup, sinon, Misan, t'avais bien la bonne idée au début, c'était bien le poumon d'or que je voulais faire deviner au début. Quoi? C'est quoi le poumon d'or alors? J'ai dit ça juste en mode non, ça veut rien dire. Ah non! Ça jamais été un truc que je considérais vraiment, ça. C'était en mode les gens qui arrêtent de fumer pendant X temps, ils ont le poumon d'or. Je connaissais pas du tout. D'or et de platine. Et sinon, pour le Stabilo, c'est deux marques de Stabilo. Stabilo Boss, Stabilo Gel, c'est des produits de Stabilo. Je savais pas du tout. Alors là. C'est épaté que tu éclotches les deux pour aucune raison. Bah, pour moi, c'était par rapport à la montagne, mais le Stabilo, rien à foutre. Hein. Pour moi, c'était lettre. Hein. Tu t'écris une lettre avec un Stabilo, c'est tout. Et alors, vas-y me donner un truc rouge. Heureusement que j'ai pas cliqué dessus. Caca, je suis d'accord, c'est n'importe quoi. Bah, objectivement, les mots de départ étaient durs à joindre entre eux. Ceux que j'aimais bien, c'était col, gel et boss, parce que ça pouvait être lié à la montagne. Je me suis dit qu'en quatrième, peut-être que tu pouvais associer l'éclair à la montagne aussi, et c'est pour ça que j'ai mis 4. Bah, j'aurais mis nuage plutôt qu'éclair, tu vois. Ouais, et heureusement que je l'ai pas fait. Après coup, c'est que c'est un sommet. Enfin, j'aurais peut-être dû mettre sommet, mais oui, mais sommet, nuage, c'est pareil. Bref, vénérable, trop de mots du sommet. Trop liés au rouge. Mais non, franchement, ils étaient durs à associer entre eux. Genre, égalité, requin, poumon, éclair, robe. Bon. Oui, je suis d'accord. Hein. Déjà, platine et poumon, je me suis déjà forcé pour trouver une association entre les deux. Et nylon, lettre en face, bon voilà, je pense que le suspense était... Accentué, c'était pourquoi? Accent aigu, parce que j'ai vu les deux accents sur les éclairs et égalité, mais j'ai pas du tout fait gaffe au reste. Oups, il y avait décembre aussi, ouais. Oui, bref. Mm-hmm. Très mauvaise partie du joueur français. Et puis hôpital, ça a un accent aussi. Ouais, oui, c'est vrai qu'en fait, étant donné que moi j'écrivais accent, c'est avec un accent, E, et... c'est un accent circonflexe. Oui, c'est un accent aussi. Et dans accent circonflexe, t'as quoi? Ouais, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Flex.
Mais moi, surtout, c'est que dans accentué, il y a un E accent aigu, quoi. C'est ça qui, du coup, implicitement, j'étais en mode, oh, bah, y a forcément, il va voir que les E accent aigu. Bah, ça aurait été bien qu'on puisse respecter la casse et que tu écrives en minuscule le tout, sauf le E accent aigu. Mais ce jeu ne fait pas ce genre de filouterie. Jeu nul. Ouais. Du coup, c'est vrai que ça commence à être un peu filouté. Est-ce qu'on changerait pas les équipes? Moi, je reste rouge. Bah du coup je me joins à toi. Libre à vous de changer les équipes. Tu veux faire opérateur Oui, je suis déjà dans les agents. Bah je vais faire Spymaster. Attends, c'est moi qui te fais deviner du coup? Oui. Et confiance. J'ai toute confiance en toi. Par contre j'ai moins confiance dans les cartes. Ouais, mais en vrai objectivement... Bah il y a le club. Qui était plus liées entre elles, j'aurais probablement pu faire une meilleure partie avec Mizan qui s'est déjà super bien débrouillée. Mais là c'était compliqué. Objectivement. Ok, bon, on va essayer de faire des trucs stylés. Bouchon. Bouché dans mon vaisseau autour de la parabole gauche de... du palais Boufas. Difficile, quoi. C'est vraiment dommage que la musique je puisse pas l'entendre moi aussi parce que je sais ce que c'est. Ah, mais je... pas, là, si. Ah bon? Enfin, moi j'ai plus le son là. Ah bon, bah, normalement, le Rudovalli, mais là j'entends rien. Je vais mettre un peu plus fort alors. Parce que je sais que c'est des bangers, mais je peux pas. J'ai pas le droit de l'entendre. Je vais essayer de faire des trucs un peu stylés, et bien entendu Zut va m'en vouloir, mais on pourra pas m'en vouloir de pas avoir essayé. Si c'est stylé, si c'est un d'or en, 4, en 2 lettres, c'est pas bon. Si c'est un d'or en 5 lettres, là, ouh. T'inquiète, il y a plusieurs syllabes, ça veut dire que c'est un mot stylé. Je vérifie juste que je fais pas de bêtises. Ah putain, tu vas cocher ce mot-là. Bon, c'est pas grave, je le clique quand même. Parce que... Mais oui, allez, c'est pas grave. Oh non. La gauche. Faut pas cocher de tunnel, du coup. Oh. Bon, station, je pense qu'il faut cocher quand même, sinon bah c'est le nul. Alors, ensuite, c'est pas rond, si c'est rond, bon, je sais pas. Le panneau est rond. C'est pas le paradis, c'est pas une page, c'est pas une bulle, il y a le tunnel qu'il faut pas cliquer. Cinéma, non. Minuit, non. Palais, non. Courant, non. Beau, non. Place, non. Bouchon. Alors à pied, peut-être, non, pas tellement. Araignée, non. Facteur, non. Face, non. Gère, non. Vaisseau, non. Marche, non. Ticket, non. Pascal, il y a un problème. Club, non. La gauche. Parabole, non. Gauche, non. Satellite, non. Pascal, je fais quoi? Tu passes si tu arrives. Appuie au hasard, c'est pas grave. Non, bon. On va faire les associations d'idées comme fait Bastel. Et du coup, pour lui, prendre le métro, c'est éviter les bouchons. Merde. Bravo. Cependant, factuellement exact. Hein, enfin, du coup, c'était parce que j'ai pas le permis. Oui, mais les bus, ils sont dans le bouchon. Oui, c'est vrai. Mais s'il y avait un bus qui faisait un accès direct entre mon taf et chez moi, je pense que je le prendrais quand même pas parce qu'il serait trop lent. Voilà. Vis ma vie de parisien. Parce qu'il va pas assez vite, mais pas à cause des bouchons, juste parce que... Juste parce qu'il s'arrête 36 fois pendant 10 minutes. Par exemple. Bon. Le métro fait ça aussi, mais merde. Il va plus vite. Ah bon, Zut, j'étais vraiment sûr d'avoir une bonne association. Peut-être qu'il fallait vraiment cocher le tunnel, du coup, mais comme c'était un peu évident, je me suis dit, mince, c'est celui qui veut pas que je coche. Ça fait chinoisant. Peut-être que c'est bouchon que je pensais que t'allais cocher. Ouais. Je ne dirai rien parce que la vérité est peut-être tout autre. Ça se trouve, c'était aucun des deux. T'as juste pas vu bouchon ni tunnel. C'était le mot noir et je me suis dit, oh allez. Oh allez, c'est pas grave. Station, oh ouais, station, ça avait l'air d'être un peu. Bon.
s'il y a 3 minutes. Quelqu'un t'entend mieux que moi. Maintenant j'entends. On peut mettre des mots propres si c'est ça, enfin des noms propres. J'ai mis Edison et ça avait fonctionné, donc je présume que... Okay. Oui, oui, enfin bon. De toute façon, au pire, tu peux me demander, mais je pense que c'est... Normalement, je crois que j'ai jamais invalidé de mots. Je crois que mes associations sont un peu trop obscures. Ouais, si c'est du Final Fantasy, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il a dit on entend caca ? La musique. Ah. Pardon. Il n'est pas assez excusé. Je vais commencer petit parce que je ne suis pas sûr. Oui, bah de toute façon, tu vois bien, il y a des gens qui commencent gros et c'est quand même des gros nuls. Bilbon. Oh. Ah bah Bilbon, il est rond. Bilbon le Bilbon rond. Rond comme une queue de poupelle. C'est... Ouais, c'est... c'est le... Non mais je... Oui, c'est le personnage, c'est de cette trilogie très connue que je n'ai pas vue. Oh non. Il dans la Nièvre, voilà, exactement, c'est... Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive, le bon. Tout ce que je sais, moi, c'est que il marche, et il marche, et il marche encore. Ah bah, il y a marche, bah c'est parfait, ça. Ah bah il marche pas du coup. Bon. By the way. Oh putain. C'est bon. Quoi ta série préférée de films K4 juste pour pouvoir te démolir ensuite. Je pensais vraiment que c'était que ça qu'il faisait. Mais apparemment il y a pas que de la marche. Non, mais je pensais que t'aurais vu les films autant pour moi. Ah non. Et j'ai regardé un petit peu et j'ai pas vu tout de suite non plus. Ah si, il y en a un que je vois, ok. J'ai vu les trois Hobbits, mais je m'en souviens plus. Mais c'est tout. Les trois Hobbits. Ah oui, les trois films Hobbits, oui. Ouais. Ah, oui. En vrai, je crois que j'ai vu que le premier et j'ai quand même aucune. Bah moi j'ai eu une idée, mais je me suis dit, oh, marche, c'est quand même drôle, parce que bah, c'est pour troller les gens. Hein. Ils font que ça dans ces films super longs. Bien sûr, c'était pas ça. Non, le Hobbit, il était rigolo. Il y avait un épisode où ils faisaient des bêtises dans des tonneaux qui étaient dans un torrent. J'ai quand même giga envie de faire des conneries, donc zut, voilà. Oui, mais on a fait des conneries, on est là pour le beau jeu. Très bien, bah dans ce cas, je vais mettre un nombre supérieur au nombre de mots réellement devinables avec. Et le reste, tu trouves au hasard. J'ai le droit de voir ce que ça veut dire, moi. Qu'est-ce que t'as fait, Basté? Oh, j'ai fait des conneries de ouf. C'était quoi la connerie que t'as fait, Basté? Moi, je pense savoir. T'as mis le mauvais chiffre, ou... T'as fait des conneries, Bastel, ouais. Oh non. C'est pas bien, ça. Hein. C'est une tape sur les mains, ça. Hein. Oh non. Ouais. Oh. Bravo, Bastel. Hein. Du coup... T'es passé sur ce truc là, ce qui veut dire qu'au rond, il faut surtout pas cliquer dessus. Quoi ? Non, c'est pas ça. Oh. Si, peut-être. Mais juste que j'ai réagi par accident, donc je voulais pas. Bon. Non, mais c'est con, dis-moi. Ce que ça veut dire, j'ai pas le droit du tout. Enfin, si, j'ai une certaine idée de ce que ça veut dire, mais. Voilà quoi. C'est genre comme une parabole, mais avec un trou dedans, c'est ça. Je pense que c'est ça le. Ouais. Moi, je ne sais pas et du tout. Je sais pas, je vais très bien au palais. Ah, pas de palais. Non mais bon, je me suis tellement perché que j'ai oublié les règles de base de ce jeu en fait. Putain. C'est quoi les règles de base? C'est qu'il faut pas mettre un mot qui contienne le mot. Oui. Enfin, bon, du mot. Genre si tu mets discobol et que tu sais que t'as parabole, tu fais pas discobol. Non, ça marche pas puisque tu commences par le début. Non? Ouais, mais si je mets parapente pour faire des paraboles, c'est...
Ouais, non, là ça va. Non, 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 c'est une merde parade, ça marche pas. Il faut que le mot soit entièrement inclus, sinon ensuite ça devient un bordel. Tu peux avoir une sélection de mots qui fait que tu peux rien placer comme mot. C'est sûr. D'accord. Je sais pas, franchement, ouais. Oh. Mettre Clubhouse. Tu peux mettre. Envie de flubber. Attends, Mison, t'as déjà deviné deux mots là ? Oui, oui, mais ah, c'est mais pour. Oui, okay. J'en ai trouvé deux et c'était deux. Bon, on s'arrête là de toute façon. On a plein de retard en plus. Bilbon. Ouais. Un peu forte la musique. T'es quand même moins fort, moi je m'entends pas. Non, c'était la musique d'avant justement qui était. Celle de Kaer Morhen dans The Witcher 3. Ah. Et c'était très bien, c'était forte. Hein. Je vais carrément phaser. J'ai pas entendu. Et oui. K4 n'a pas de modulateur pour chaque source audio, il entend tout d'un bloc. C'est moi qui maîtrise. Qu'est-ce que vous entendez le plus ou pas? Si j'ai envie de couper moi, le il faut son. Que je me baisse pour pas avoir d'écho. Ah bah oui. C'est à moi quand même. Ouais, bon bah du coup j'ai zéro ambition, mais Allez, putain. La France. Non mais c'est bien, t'as fait vrai... des trucs ambitieux maintenant. Ouais. Bah et oh ah. Alors comme ça quoi, ça recycle oh. Non mais c'est quoi cette histoire? Bah il a le droit non. Si dit 5. Ah oui carrément. Bon on a commencé par club je pense. J'attrape ma souris. Putain, pourquoi c'est pas moi qui avais club, c'est pas drôle. GG. On club avec Bastel. Donc, disco. Qu'est-ce qu'on fait en disco? On danse jusqu'à minuit. On tourne en rond. On court. Gauche? Est-ce que c'est de gauche le disco? Je ne sais pas. Est-ce que je vais finir la partie si je fais ça? Oui. Ah. Ah bah c'est Bastel. Bastel c'est qui danse un maximum content, dans le club. Oh non. Oh, faire la fête. Est-ce que j'ai le droit de nous mettre un mot de un nom de Pokémon? Oui. Ouh là là, attention. J'espère que c'est pas un Pokémon au-delà de la 5e génération. Non, non, ça devrait aller, j'espère. Ok. Quoi? Hop. Et... quoi d'autre oh encore là là. C'est oh quoi ouais. Ce truc? Hop, c'est l'évolution de Gobu. Qui est de type eau et sol. Ah ouais. Sol, boue, eau, bulle. C'est QFD. Je dabrais si je pouvais. Merci, Brini. Pourquoi tu peux pas daber? Parce que ça se fait plus. Eh oui, ils connaissent pas Flobio. Et ouais. Il suffit de le faire pour que tu puisses le faire. Ouais. Suffirait. Mais je pense que cette masterclass suffit. C'est Prini qui a fait la masterclass. Oui, oui. Merci, merci à Prini. C'est... ah non, je veux Prini, pas tu m'accaparer. Tu peux daber depuis chez toi si tu veux. Oh, je peux daber, yes. Horrible les deux racailles, bravo Visor et Prini. Bravo Prini. Bien vu, hein. Là, associer ces deux-là, c'est pas évident. Est-ce que j'ai droit... attends, un instant, je te cherche dans mes contacts, putain, mais on n'a jamais de conversation en privé, en fait, c'est terrible. Alors, oui, voilà. Est-ce que j'ai droit? Je comprends pas trop pourquoi, mais oui.
Classique Bastel. Book. Ah. Ah, peut-être. Mm-hmm. Ouais, Book, ouais. 5 par contre, c'est ambitieux. Bah, il a toujours espoir que je trouve des mots d'avant. Mais... Ah, quoique. Non. Je vais le faire, hein. Je vais finir par cliquer sur tunnel. Hein. Faut que je me bute. Mon book, qu'est-ce que... Quoi ? Page ? Oui, page. Bravo. Ok. Bon. Un book, ça a une étiquette. Ouais. Un book, c'est de gauche. Il y a des vaisseaux dans les books. On fait souvent des films avec. Il y a des books qui parlent de paradis. Phase... Qu'est-ce qu'il y a, zut, t'as eu une illumination. Phase book. Incroyable. Je vois pas le rapport, mais bien joué en tout cas pour trouver un mot orange. Du coup, il y en a beaucoup en trop là. Attends, il en reste 3. Du coup, c'est facile en fait. Qu'est-ce qu'on rajouterait là-dedans? J'ai vraiment envie d'appuyer sur tunnel, mais je vois pas ce que ça a à voir avec book, avec disco ou disco ball. Cliquer sur cinéma. Ok, cliquer sur paradis. C'est bien ça, Bastel. Ça réfléchit. Un book. Ah. Alors, est-ce que lui, il a un book? Non, c'est pas un book ça. Personne n'a de book sur les images. Je vais y aller. Ah, est-ce qu'il faut que j'y aille au pif ou pas ou... Ah, bon, on y va au pif. Ah, merde. J'allais dire, tu fais ce que tu veux, mais de toute façon, ils vont gagner. Donc en fait, c'est essentiellement pour ça que j'ai mis 5. Pas sûr, mais ouais. Oh, quand même. En plus, ça a été bien préparé. Une seconde pour taper le mot. Beaucoup plus pour trouver. C'est quoi la deuxième carte? J'aimerais bien le savoir. Ouais. C'est vrai que la deuxième paraît pas aussi évidente que la première. Mais je trouvais pas l'association entre les deux. Si en vrai j'aurais cours. Je pense que j'avais peut-être un truc. À part ça. Flobio s'est trouvé, monstre s'est trouvé, Bilbon. Je suis pas sûr qu'on ait la même image d'Arsène Lupin qu'à 4. Bilbon voleur. Il a volé l'anneau, Bilbon ? C'est rien. Et même il en resterait encore un, non ? Bilbon. Dans un des boucans, il faut de pite, oh, c'est sûr. Bon, géant araignée, j'en sais rien. Oh là là. Satellite, ça me paraît. Lupin, il a un espèce de mépris pour les nouveaux riches. Hein. Étiquette. Oh, j'en sais rien du tout. Waouh. Masboulas. Bon, bah, du coup, j'espère que t'as ton mot en 3 lettres. Alors. Enfin, ton mot en 3 mots.
Je t'aurais bien dit, veuillez vous référer au mot précédent, mais j'ai bien compris que ça... Non mais moi je veux bien continuer à essayer au pire. Super. C'est compliqué quand même. Non mais en vrai là j'ai que des idées de trucs mais qui sont vraiment pas... Non mais peut-être que Katakr a raison aussi. Ok bon, nice. Hein. Mais je veux bien gagner la partie mais je vais quand même essayer de le faire sans fermer la chaîne alors. Sans fermer la chaîne Ça veut dire quoi? Ça va déraper. Ça veut dire quoi? Ça va glisser. Ouais, ouais. Mais c'est quoi le rapport avec la chaîne? La chaîne toi. Twitch. Oh là. Il a dit le mot interdit. Oh non, mes yeux. Ah merde. Quoi? Bon. Moi j'avais les deux tiens. Ce dernier choix. Oui. J'avais les deux tiens, Bastien. Zut, ah oui, il y avait encore ces deux là, ouais. Mais j'y peux rien, j'étais concentré sur le bar à droite. Bien compris. Oh. Ah mais l'étiquette, j'ai rien compris, alors c'était... Je me suis dit, oh là là, Bastel, il est choqué de dire sexe, du coup forcément c'est l'étiquette. Ouais, non mais bon, j'avais plein d'autres synonymes de sexe, peut-être pas forcément aussi, aussi simples. Mais il aurait pu dire facteur aussi, pour ça, c'est pour... Pour le sexe, oui, c'est vrai. Dans toute bonne vidéo qui se respecte, t'as toujours un postier pour sonner à la porte. Ok, très bien. Facteur, il est vraiment passé. Mais donc, du coup, ouais, en fait, je voulais bien faire deviner tunnel dans métro, en mode le métro, ça, il a des stations, il a du courant électrique, il passe par des tunnels et il passe jusqu'à minuit. Mais... Et du coup, c'était quoi le mot qu'il fallait surtout pas cocher? Celui que j'ai coché, quoi, en fait. Je pense, en fait, j'ai pensé à. Bouchon, non? Non, c'était pas bouchon, je crois que c'était plutôt... merde, je sais plus lequel c'était, je crois qu'il a dû être coché à un moment. Bon, en vrai, j'ai totalement oublié lequel était le bon, mais c'était pas celui-là. C'était mémorable. Oui, clairement, bon. Prini pour Bilbon, c'était quoi que j'étais censé trouver? C'était voleur. Et araignée ou géant, parce qu'il y a des créatures comme ça dans le Hobbit et dans le Seigneur des Anneaux, mais c'était un peu obscur, quoi. Ah, d'accord. Donc il a bien volé l'anneau, c'est ça? Oui. Ah. Enfin, il est aussi engagé en tant que voleur, en fait, dans la compagnie des nains. Et bon, et du coup, pour Disco Ball, c'était juste parce que c'était la fin de Paradis et de Parabole, et donc, bon, j'essayais de joindre les deux sans que ce soit... Oh. Voilà. Mais comme dit, c'était concept tordu, c'est pour ça que je suis resté sur Disco à la fin, parce que, alors, en fait, j'ai compris que ça permettrait de faire deviner Club en même temps. Mais voilà. Bref, pas facile ce jeu. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse difficile. Une dernière ou vous voulez vous en tenir là? Moi je sais. Moi je voudrais bien faire une dernière. Une petite dernière alors. Bah moi je suis en vacances de toute façon donc c'est pas moi qu'il faut demander. Déjà. Okay. Du coup, est-ce que tu veux entier? Pardon? Ou tu vas revenir travailler Il est en vacances pour la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, j'ai demandé si t'avais pris genre un mois entier ou si t'allais travailler une semaine avant Noël. Non, j'ai pris deux semaines là. Et après, je serai de retour juste avant Noël et pour les périodes où il y a quasiment personne et il se passe rien. Il est de gauche, Arsène Lupin, c'est sûr. Dans un des bouquins, il vote Mitterrand. C'est sûr. Zut, est-ce que tu veux qu'on inverse les rôles? J'espionne maintenant. Très bien. Non, c'est ça. Ok, hein. Oui, non, mais c'est ça. C'est à moi de le faire aussi du coup? Ah oui, c'est moi qui dois te faire deviner Prini, c'est ça? Ok, je me souvenais plus qu'il y avait un live où tu t'avais dit que tu préférais davantage deviner les mots. Oui, parce que les gens ils comprenaient pas tout ce que je disais. Non, c'est moi qui vais être obtus et borné. Putain, et c'est toujours nous qui commençons. Ouais, on a de la chance cette fois. Alors. Ouais. Fais gaffe, si tu proposes un mot en 4 ou en 5, comme t'as pu le constater, ça marche pas tout le temps. Qu'est-ce que me fait rire? J'ai trouvé une association. Qui fait le minet, du coup il y a des associations. Oui. À la con. Alors attends, je retrouve. T'as trouvé quelque chose aussi. Il doit avoir poudre et dollars en même temps, tu vois, du coup il va taper flub et on va devoir deviner poudre et dollars. Si je t'envoie ça, tu crois que c'est bon? Poudre, dollar, diamant. Mais tu veux faire deviner quoi avec ça? Bah, devine. Bah,
Ouais, c'est pas un super mot, quoi. Ah oui, bon, pour l'instant, mais c'est juste ça m'a marqué. Ah là là. D'ailleurs, c'est une erreur sémantique ce que tu me sors, la mise en... Comment ça? Ça veut dire quoi? C'est mal écrit? Allô? Attends, je t'explique la sémantique. Ah. Ouais, d'accord. Ah! Ah, d'accord. Ah bah oui! Non, attends. Ouais, bon, je crois avoir compris, mais je suis pas sûr, mais... Bison est confus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Alors, hop. Trois mots... Sans problème, je pense. Voilà, voilà. Oui. Peut-être un petit peu de problème, j'ai rien dit, ok, ça va. Reste en résine. Le troisième bloc, un petit peu. Et prends ton temps, hein, ça m'en laisse un peu plus pour essayer. Non, mais en vrai, le problème, c'est que moi, je vais repartir dans mes associations et des foireuses et je vais finir par cliquer sur le mauvais mot à la fin. Genre, voilà, je veux dire, un sarcophage, ça peut se trouver dans une cave, mais c'est pas vraiment une cave, c'est plutôt un truc genre pyramidal. C'est un peu une cave dans laquelle c'est. Ouais, c'est vrai, c'est un peu sombre, ça pue et on ne sait jamais y récupérer ce qu'on a laissé, quoi, c'est toujours pareil. Parce que comme si ça convenait. Ouais. Maladie, non. Enfin, si, généralement, les explorateurs, quand ils viennent chercher les sarcophages, ils tombent tout le temps malades. C'est vraiment ouf, quoi. Après, les équipages meurent et il y a des mystérieuses momies qui viennent ravager tout le monde. Ravager comme XP, d'ailleurs, on notera. Casque, non. Dollars, on touche beaucoup de dollars si on trouve un sarcophage. Asie, c'est un peu loin. Article, on peut faire des articles sur les sarcophages. Poker, non. Enfin, en tout cas, pas que je sache. Diamant, non, il y en a pas dans les sarcophages. Dossier, morceau de sarcophage, ah, tu peux le débiter si tu veux, effectivement. Souris, il y a peut-être des souris qui traînent dans les sarcophages, mais franchement, c'est dégueulasse, il faut arrêter. Coton, poudre, il y a sûrement de la poudre de décédé dans les sarcophages. Je vais rien faire. Franchement, Bore et Égypte, c'était instant, mais là, j'ai vraiment. J'ai pas assez de conviction pour tenter un truc. Oui, je comprends. Je comprends. Mais j'apprécie la prise de risque dès le début. Oh, il n'y avait pas tellement de risque. Bon, d'accord. J'aurais pu écrire des choses pour faire deviner les mêmes mots qui étaient beaucoup plus risqués. J'ai de trouver un en 3 ou plus, mais. En 5, comme Bastel. Oh, on me demande beaucoup là. Pas sûr d'avoir les capacités cérébrales de Bastel pour pouvoir faire un tel exploit. Après, il faut réussir à les trouver aussi. Aussi, oui. Oh non, je vais rester sur celui. Mais du coup, c'est lequel des deux à prendre, zut. Lequel des deux, quoi? Que tu m'as écrit. Hein? Je t'ai écrit quoi? Ah! Oh bah, si tu veux être exact sémantiquement, c'est le premier. Ok. Ouais. Pouf, pouf. Si tu veux, mauvais. À mon avis, ça change rien du tout. Hein. Oui, je pense aussi. Oh, oula. J'aurais bien mis Asie, mais est-ce que
ça vient de là-bas, plus ou moins. Ah, c'est pour ça que tu disais que c'était risqué. Incroyable. Ouais, quand on a le Covid, on a besoin d'une couverture. C'est tout besoin d'un respirateur. Et non, bien joué, effectivement. Je voyais pas ce mot en fait. Moi je l'ai vu, ça m'a marqué tout de suite. Oui, ça marche. Et moi je suis rien. Ouais. Un peu plus cocasse maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire... Attention, grosse ambition et retardement de l'inévitable. Qu'une fée, c'est pas un peu un animal? Ben oui, au même titre que nous sommes tous des animaux. Hein. Ouais. Non, bon, ok, mais ça, ils ont l'air d'être plutôt pas mal tes mots jusqu'ici, zut, j'apprécie. Ouais, tu veux moins aimer la suite. C'est pas grave, il faut bien commencer généreusement au début pour mettre un peu la pression en face. Ouais, mais au final, ils ont pas tellement la pression. Ah! Ah bon? Bah je sais pas, ils ont juste un mot de plus à trouver alors qu'on a oui, commencé mais enfin, nous. Les associations entre ces mots. Ah oui, c'est vrai qu'on est pas mal en fait. Ouais, oui, c'est pas évident. Du ouais, tout. De consommer nos trucs bien en premier et ensuite. Oui, sauf que moi j'en avais qu'un seul à deux à filer. Chiant. Ah, c'est pas simple. Pas simple du tout. Le cerveau de Misan est actuellement en train de fondre. Oh non, on aurait pu nous filer des trucs un peu plus sympas quand même là. C'est vraiment pas très sympa. Ouais. Peut-être quelque chose. Alors. Je vais te l'envoyer quand même. Même si bon, normalement, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ok. Bon. Ah non, en ce cas... Ouais. On lit un article. Ah. Bravo. Je lis des dollars, moi perso, il y a écrit $1 United States. Est-ce que je me dis, on lui laissait un dossier? Ah non. Oh. Ah, je... C'est pas grave. Non, j'avoue que là, pour le coup, le fonctionnaire lirait aussi le dossier. Hein. J'aurais clairement fait le même choix. Enfin bon, tout le monde sait évidemment que les dossiers ne sont pas lus au sommet de la hiérarchie. Le chef dit juste « Where signature ?» Voilà. Et après, le dossier... Tu t'as mis aussi ton augmentation dedans. Oh. Exactement. C'est vrai que c'est bien connu, les augmentations, il y a un papier à signer pour dire j'augmente machin de 200 balles par mois, putain. Bah oui, c'est connu. Oui, tout à fait. Le formulaire de demande d'augmentation imprimé, on l'a rempli tous les deux cette année, je crois. C'est pas ?
Comme quoi le gel, ça n'affecte pas que l'eau. Ah bah là, clairement, ça affecte aussi le point d'indice, tout à fait, bonne remarque. Alors... Des souvenirs douloureux, de la part... Ah, des souvenirs, hein. Je croyais que c'était... Ah bah, les souvenirs de la dernière rose. C'était bien vivant, moi. Ça, le point d'indice, il existe encore, mais ça fait 10 ans qu'il a pas été augmenté, quoi. Ah, c'est nostalgique, donc. Oui. Oh. Facile. Je peux cocher tous les trucs moi-même. Du coup, ouais. Je les verrai pas si tu les coches, sache-le. Je sais. Flûte. Pas mal ça. Flûte. Flûte, j'ai dit. Ah, on peut cliquer sur les cartes déjà trouvées pour montrer les mots. Ok, c'est pas mal. Oui. Je savais pas. Alors normalement il n'y a pas d'erreur possible. C'est le bruit que font les neurones de Bastel quand ils se mettent en activation. Tiens. Dans le grenier, bah, oui, potentiellement tu peux les planquer si tu veux. Des épices, oh, bah, si tu mets dans le grenier, elles perdent tout leur saveur. Aucun intérêt. Casque, oui, généralement ton casque colonial il est encore dans le grenier, aux côtés de plusieurs autres trucs que tu n'oses plus descendre depuis que les enfants t'ont fait une réflexion désagréable. Ton casque colonial, ouais. Bah oui, bah, bien sûr. Mais pas une autre forme de casque. Et ouais. Les portraits d'art éthiopien que j'ai ramené à l'époque. Bref, ça c'est dur. Dollars, des dollars dans le grenier, oui, ça, il y en a généralement pas mal. Poker dans le grenier de mots. Des diamants, oui, bah généralement, ils sont aux côtés des autres chefs-d'œuvre de l'art colonial que j'ai ramené. La poudre, oui, assez poussiéreux, les greniers, c'est dégueulasse. Morceau de grenier, non, pendule. On trouve aussi fée, la fée du grenier, la fée du logis. Non. Coton, iris. Franchement, j'ai zéro conviction sur ces mots. C'est pas grave. Tu n'as pas fait d'erreur, c'est déjà bien. Ah bah là, pour l'instant, je suis hyper pépère. Ah, c'était pas vrai. C'est là que tu te rends compte qu'on a failli, y a failli avoir un drame. Non, y a pas eu de drame, ça c'est sûr. Fallait pousser quand même un peu pour qu'il y ait un drame. Quoi ? Mais je vais pas te donner d'indice. Non, mais je te demande si ça va. Je cherche pas la validation de ma part. C'est bon, bah, oui, ça va. Il est pas interdit, ce mot. Ok. Il est très friendly en plus. C'est parfait. Est-ce que je l'ai bien écrit ? Ouais. Ok. Le lamelle, oui. Oui. Ah, c'est un morceau. Un morceau de gâteau. Un morceau de fée. Tu me ramènes une petite lamelle de gâteau, s'il te plaît. Une lamelle de... Un microscope. Pas de langue, pas de lamelle. Une lamelle d'éponge, une lamelle d'épices. Il y a beaucoup de lamelles possibles en vrai. Hein. Oui, surtout. J'aurais
Sauf les lamelles de poudre, ça c'est quand même vachement plus, plus difficile, je trouve. Bah si, tu fais les lignes de poudre, ça fait des lamelles. Tu renifles les lignes. Attendez, peut-être une lamelle de champignon entre les gens, parce que c'est le truc qui me paraît plus probable en lamelle, mais... On lamelle pas de l'épice, on lamelle pas une éponge, pas du poker... Le problème, c'est que y a plein de trucs que tu peux préparer en lamelle, en fait, dans le tas, quand même. Une éponge, si c'est juste... Même une éponge, ça se découpe, en vrai, mais c'est juste que ça n'a aucun intérêt. Ouais, moi j'aurais vu ça en cuisine, tu vois, ça me paraît cohérent d'avoir des lamelles de champignons par rapport à tous les autres mots, mais... Ouais, allez. Des lamelles de dollars. Oh. Lamelles botaniques fin feuillées sous le chapeau des champignons basidiomycètes. Ah, oui, non, moi j'avais. Mise en salée. Non, le pire c'est que j'ai appris ça parce que moi je voulais des lamelles de champignons, des morceaux quoi. Mais je savais pas du tout que c'était un mot qui en plus. Quand le mot est deviné, t'es pas. En fait, ton but c'est de ne pas dire si c'est le mot qui est lié ou pas à ton, au mot que t'as donné. Non, mais c'est juste un hasard, Bastel. Oui, donc par hasard, par exemple, je te prierai bien aimablement de laisser Prini faire son travail. Oui. Voilà, mais très bien, on a bien compris que la lamelle était liée au chapeau du champignon, qui a été guess fortuitement par Prini. D'ailleurs, ouais, c'était sûr que tout le monde mangeait surtout. Que... Parce que bon, t'inquiète pas que s'il avait fallu que je rage parce que t'avais pas guess stabilo boss et stabilo gel par rapport au mot que je t'avais demandé, t'inquiète pas que je l'aurais fait. Mais je n'ai pas le droit de le faire. Oui. Donc je ne l'ai pas fait. Mes excuses. Merci. Attends, parce qu'il est quand même possible qu'on clutch cette partie à main grâce au guess en 4 de zut. Non, jamais. Oh. Bah si vous ne trouvez pas là en 4, on ne trouvera pas en 3 de toute façon. Nice. Ah, zut, qui commence à avoir des idées tordues. Oh, infini. Ah oui. Ah oui. Infini. Ah, très bien. Bon, je pense qu'en vrai, vu ce qu'on a pu dire, si le casque n'est pas colonial, le diamant colonial, franchement, l'héritage de la République démocratique du Congo, il est là. Oh. Ah non. Dreams shattered. Ah, putain. Oh, franchement, j'étais chaud là. Merde. Mais... Ah, mais oui, ouais. Putain, j'en vois d'autres que j'aurais dû prendre en premier. C'est pas grave. On va s'arranger. Zut, mais merci pour ce. Ouais, comme quoi, l'association de mise en avant n'était pas la pire. Non, mais j'apprécie. Je salue l'audace. Oui, mise en, c'est un mot français. Parfait. N'hésite pas à me sortir la définition du wikitionnaire de colonial pour que je puisse bien dire ah, oui, quand même. Ah, putain, j'aurais dû. Colonial du latin colonus qui colonise. Il ne faut pas confondre avec le colon qui signifie le gros intestin généralement. Là, d'où sortent les pensées coloniales. Attends, je vais te lire l'étymologie. Oh, les yeux. Des dollars dans les yeux, des dollars dans, c'est les, vrai. Comme dans les aristochats. De la poudre aux yeux. Ah merde, bien vu. Oh putain, c'est honteux. Bon, zut, tout repose sur toi. C'est marrant que tu dises bien vu quand il s'agit des yeux. Ouais, c'est déjà vrai. Fini, mais moi j'ai rien. Oh. Ouais, non, mais bon, en même temps, Mison a fait un très bon choix. Il y a fait de très bons choix. Bastel. Oui. T'es merde, toi. ça va être compliqué. Putain. Non, mais bon. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Bon, il n'y a rien à faire. Bon. Tout est dit. Tout est reposant sur ta personne. Talent et sur mes capacités à écrire un mot qui est quand même assez compliqué. Anticonstitutionnellement. Ah non, mais phylloxéra. C'est n'importe quoi. Le nombre de lettres qui sont doublées. Phylloxéra du premier coup, c'est vachement difficile. Oui. Ah, pas très bien. Mais ça, c'est pas un mot français, du coup, c'est pour ça, c'est un nom propre. Oh, c'est une maladie, il me semble, le phylloxéra. Non, et sinon, tout le monde les opérations dans Trauma Center Under the Knife, oui, je vais faire une laparatomie. Ouais. Oh, mais quoi?
Ah si, c'est facile. Que j'y connais quelque chose au Mississippi. Bon. Mais Bastel, non. Alors, bon. Tu peux pas faire preuve d'inculture maintenant que... C'est la dernière lancée. Bon, on va déjà commencer par un truc qui a rien à voir. Attends, mais là, il y a eu Colonial quand même qui est passé, il faut pas le louper. Ah ouais. C'est trop tard, hein. c'est dit. Nous vivons dans une société. J'ai vu mon sang rouge sur la jolie fleur blanche du coton, disait Caris, donc coton. Oui. Ok. Incroyable. Bon, au Mississippi, c'est aux États-Unis d'Amérique. Quelle est la monnaie des États-Unis d'Amérique? Les épices. Voilà. Okay. Bien joué. Bien joué, misant. Désolé, Bastel. On va reprendre depuis le début. Ouais. Alors, Grenier, est-ce que vous devez me faire deviner, c'était casque. Donc, a priori, il n'y a pas de mot à trouver en plus là-dessus. Sarcophage, c'était probablement la souris du sarcophage qui fait squeak squeak en bouffant. Dans les parois, donc a priori j'ai pas de mots en plus à retrouver de ça. Donc il reste juste Colonial à l'infini et Mississippi. Alors, la langue coloniale, oui, le français, évidemment. Halloween, Colonial, bof, hein, Mississippi. Bon, c'est un mot anglais, je crois, Halloween. Mais bon, mis à part ça, voilà. Couverture coloniale. Couverture coloniale de l'actualité, certainement, oui. Congo belge did nothing wrong, disait sûrement la presse belge à l'époque. Le Congo belge, c'est belge. Éponge, une éponge coloniale, non. Une éponge du Mississippi, les fameuses. Épices, quel effet a-t-elle sur moi, demandait Paul Atreide, avant de s'enfiler un gros rail. On se rend compte qu'en fait c'était vachement cool. Oh, tu croyais que l'épice c'était une allégorie de la coke? Oh, Bastel. Alors, bah, objectivement, quand tu regardes un peu les pauvres pilotes qui se chargent, hein, qui nagent dans des bocaux remplis d'épices, le doute est permis. Putain, en vrai, j'hésite. Enfin, bon. Le poker colonial, ça me paraît relativement pas très cohérent, mais au Mississippi, ils ont sûrement une législation sur les jeux qui interdit le poker. Donc, en vrai, à tous les coups, ça va être encore de la merde. Ouais, pendule. Mais t'as cru. Tu m'étonnerais, ça. Putain. Pendule coloniale. Oui, ça, c'est vrai que ça serait typiquement... voilà, je la fais sculpter par des ouvriers que j'exploite et après je la ramène chez moi, c'est cool. Dans le bois d'un arbre, on a une voie de disparition, bien sûr. La fée coloniale qui vient distribuer des coups de fouet virtuels. C'est elle qui trace les frontières. Ah bah la fée, en fait elle dit au gentil petit blanc, je vais réaliser tous tes vœux, et après elle fouette quelques esclaves noirs pour qu'ils parviennent à réaliser ce que l'autre a demandé. Et bim, et oui, c'est la magie. Putain. Et voilà, la fée coloniale, la saleté. Mais la fée du Mississippi, attends, est-ce qu'il y a un jeu de mots à la con? Est-ce que c'est pas un truc comme ce que j'ai pu dire avant? Mississippi pendule. Ouais. Épices. Écoute ton cœur, Bastel. Ton cœur, ouais, te mènera au bon chemin. Bon, j'ai objectivement une hésitation, sinon j'aurais déjà coché. Non, mais sinon, tu peux aussi parier sur la faiblesse de Misan. De Misan, il va jamais faire deviner un seul mot à Prini, hein, Misan? Oui. Il va se tromper. Il va faire deviner le mot noir à la place. On va gagner. Misan a des chances de pas faire deviner le mot à... Ça m'étonnerait vraiment. Ce serait un fumble. Bon. Rah, je suis triste. J'aurais dû tenter des trucs des fois où je me suis arrêté. Bon. Poker ou langue? Non mais franchement j'ai pas la ref, hein. ça m'a triste prodigieusement. Accélère, mais... Jacques Accélère, présentateur de la météo. Non, c'est même pas vrai ça en plus. C'est vrai, il faisait quoi, Jacques Accélère?
C'était juste une des personnes qui s'occupait de faire des reportages. Ah oui, pardon. Merci à Jacques pour son travail. Oui. Non, je suis pas d'accord, mais... Oh, bon, je vais essayer d'en trouver un autre, alors. si c'est... Et si je... Et si... Attends, et si je te propose celui-là? Écoute, fais-moi une liste de plusieurs mots et je choisirai lequel tu veux. Putain, Misan qui est en train de lister toutes les fées là, hop, la fée Carabosse, la fée Clochette. La fée. Ah oh ouais, il y en a un que j'aime bien là. Ah oh, oui. Ouais, voilà, la félicité, on l'oublie pas, toujours elle. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre encore? Je vais écrire sur le... juste là, sans le donner, histoire que Kakatri voit tout ce que j'ai proposé. Du coup, ne lisez pas le chat, ça serait pas drôle quand même. Non, évidemment. Non, je le mets pas sur le chat, je le mets sur le live directement, dans la zone de texte, mais sans le... Ah, bien joué. Oui, oui. Enfin bon, on sent qu'il y a quelque chose de commun, quoi. Mmh. Est-ce que j'arrive à en trouver encore? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, ouais. Oui, tu vois, quand j'ai utilisé ce mot-là, eh ben, je savais qu'il y avait ce contresens possible. Oui, mais c'était quasiment impossible. Pastel ne sait pas. Bah oui. Et tu pouvais justement parier sur son, sur ce côté-là. Ouais. Ouais. Non, mais j'aurais fait exactement pareil que lui. Hein. Exactement pareil. Ouais, non, j'ai pas plus, là. Et bien, du coup, à part les trois premiers, tu peux utiliser celui que tu veux. Plot twist, il y a que trois mots. Plot twist, je vais pas trouver. Il y en a plus que ça. Donc, celui-là, il est bon. c'est un peu le moins bon jeu de oui. Ce qui restait, quoi. Mais bon, si tu veux absolument gagner, tu peux... Celui-là, alors ? Celui-là, il est plus rigolo, non ? Vas-y. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Allez. Ah oui, je comprends pourquoi. Ouais, d'accord, bon. Le beau jeu, parce que j'ai fait une bêtise. Ouais, allez, soit. Quoi? Oh. Mais oui. Voyons, avec la langue... Oh, c'est terrible. Oh, le challenger va-t-il trébucher sur la ligne d'arrivée alors que les opposants avaient déjà abandonné, étaient déjà en train de constituer leurs adversaires. Je suis désolé, Mastel, mais s'il trouve pas, je ferai la même chose que Misan du coup. Ah, parce que t'as un mot, toi, qui pourrait faire ça. Putain, j'ai hyper envie. On en trouvera, on en trouvera. Je suis suspendu au truc de Prigny. Ouais. Bon, ça doit pas être la fée quand même. Là, c'est un truc logique, parce qu'une éponge, ça me paraît très logique. Ou c'est un truc terrible comme avec la langue, mais. Je vois pas ce que ça a de terrible en vrai, hein. C'est quand même assez logique. Ben, c'est vrai, quand tu lâches quelqu'un, après, bah, en fait, c'est logique dans les deux cas, quoi. Genre, ça se trouve, disons, il s'est dit, oh tiens, c'est humide. C'est vrai qu'une langue est tout aussi mouillée qu'une éponge. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, vraiment, je veux dire. Enfin, zut. Oui, tout à fait. Non, mais c'est magnifique, ce dernier mot totalement ambigu. Allez, pile ou face. Je crois que j'ai fait un pile ou face, hein, parce que. Ah, alors là, je suis très déçu. Hein. Très déçu. Non, mais c'est bien, on peut jouer plus longtemps, du coup. Coup dur. J'ai en passé quelques-unes, alors. J'ai bossé un peu tout ce qui me passe pour la tête, mais il faut éliminer ceux qui sont un peu nuls.
Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, moi j'ai déjà... Oui, mais ça c'est trop facile, oui, ça aussi. Je les tape parce que comme ça, il faut... Ils sont tapés. Est-ce qu'il y a quelque chose de sale à dire avec ça? Non. Mais dans la même idée, mais... Oh oui. Ah, mais c'est en plusieurs mots. Oh, oui, mais quoi alors? Genre... Ouais. C'est pas possible d'avoir plusieurs mots avec ça. Hein? Le but, c'est d'essayer de faire en sorte de balancer entre quelques mots au moins, non? Ou tu veux juste le faire deviner le mot, mais en mettant un truc crade? Alors, j'ai peut-être mal compris, moi. Non, moi je voulais des mots rigolos. Ah, d'accord, mais pas forcément essayer de faire deviner. Je vais regarder deux mots et trouver le premier truc qui fait deviner deux mots. Je vois. J'ai toujours pas fait à bouffer à 23h26, bah dites donc. Il y a qui mange tard ici. Avec les 4 est captivé par la fin de partie irrespirable qu'on est en train d'assister. En vrai, zut, je pense que de toute façon, vu ce que j'ai pas deviné. Enfin, si tu trouves un mot qui correspond à deux sens différents, ok, mais je pense que je sais lequel je vais cocher s'il s'avère qu'il y a au moins l'un des deux qui est dedans, quoi. Mais j'attends de voir. Non, est-ce qu'on essaie d'en faire 3 alors? Et pourquoi pas 4? Non, mais en vrai. Puis bon, je le dis, si ça se trouve, c'est totalement faux. Donc. Ouais, j'en ai pas spécialement avec ça. Ah bon? Alors, je sais pas du tout. Alors là, oui, ouais. Moi je suis pas spécialement versé dans la matière non plus. Ouais, non, mais c'est quasiment impossible de trouver une correspondance avec un autre mot là-dessus. Donc ouais, ton plusieurs mots, il est pas mal. Ouais. Je crois que si tu mets des tirets, ça fonctionne de toute façon. Bon, c'est quand même un petit peu ambigu. Ok. Oui. Eh ben, dis-toi que je vois même pas avec quoi ça peut être confondu. Oui, parce que c'était pas possible de confondre avec quoi que ce soit. Bon, d'accord. C'était le truc, c'est que là, on pouvait plus trouver de sens avec un autre mot. Mais le mouillé sur la fin, c'était incroyable. J'avais lavé, nettoyé, rincé. Et éponge vite aussi, en vrai. Mais c'est vrai que rétrospectivement, à la seconde où tu t'arrêtes, où tu te dis merde, mais en fait, il y a plusieurs sens. Bah, du coup, tu t'arrêtes et tu cherches un sens au-delà du sens premier. Il fallait pas. Mais moi, je parle d'un truc un peu rigolo, tu vois. Ouais. Parce que sinon, j'avais lavé, nettoyé, rincé, bulé, savonné, sous-marin, animal. Mais on est parti là-dessus. Enfin, en vrai, mine de rien, on s'est pas trop mal débrouillé avec Zut. Là, j'ai eu des mots neutres sur la fin, mais c'était pas mal du tout. Alors, du coup, pourquoi Mississippi en fait? Pour coton et pour dollar. Et attends, tu m'aurais mis Alabama, j'aurais davantage pigé, je pense, parce que j'associe davantage ce. Alabama? C'est... Oui, je les trouve beaucoup plus. Enfin, ils ont mis. Pour moi, j'ai associé beaucoup plus à l'esclavage. Alabama. C'est... Non, il n'y a pas eu... Ils sont très bien.
Oui, ils sont très racistes et tout, mais je sais pas s'ils sont très esclavistes, non. Ah oui, non, mais c'est juste à côté. Ok, c'est pas du tout au nord, en fait. Ok, j'en ai. Mais bref, du coup, dans tous les cas, je pense que si tu m'avais collé, ouais, je sais pas, en esclavage, j'aurais peut-être mis dollars quand même, je sais pas. Mais bref, mais et du coup, pendule, tu voulais me le faire deviner comment? Avec grenier. Ah, merde, d'accord, ok. Parce que personne ne puisse de grenier. J'ai cru que ce serait le casque qui était lié au grenier, c'est pour ça, mais du coup, ok. Non, mais c'est pas mal, t'avais... En fait, limite, tu me mettais un truc brocante, j'avais de quoi dérouler. Ok, bah d'accord, bah écoutez, c'était une partie bien intense pour la fin, très heureux de l'avoir gagné. Merci, Mizan, d'avoir maintenu son mot alors qu'il aurait juste pu écrire Essoré pour tout le monde. Ah bah clairement, c'était le chat de mot. Ouais. C'était marrant, Moulier. Tout ce qu'il fallait faire et ça a été fait. Propre, propre. Bah ok, merci encore, et puis du coup sur ce, moi je vais vous laisser, grand, ça se fait tard. Oui. Bon courage aux personnes qui travaillent demain. Et la bonne nuit du coup. Je remercie pour ces vœux de bon courage et bonne nuit également. Bonne nuit. Bonne nuit. À plus.